Allez, salut les amis ovaliens, salut les amis ovaliennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live pour ce soir, la série des rookies. Vous le voyez, les places cette semaine coûtaient cher aux hôtels à Kansas, puisque vous voyez, les quatre séries ont fait escale pour cette troisième semaine de course sur l'Oval de Kansas, qui est rare aussi pour la rookie d'être un petit peu cadrée sur, je dirais, les mêmes circuits que les divisions supérieures. En tout cas, voilà, le Kansas 140, on vous fera une petite présentation, bien sûr, un petit peu plus tard. On va commencer tranquillou, vous en avez pris l'habitude avec notre petit, on va dire, résumé de la course de la semaine dernière sur l'ovale de Fat Flag 150. Allez, je vous laisse avec le petit résumé, vous connaissez, préparé par notre ami Eric Pépère. Allez, assez Scripzac, je vous laisse en sa compagnie.
Et voilà les amis pour ce petit résumé, vous l'avez vu de la semaine dernière avec 12 drapeaux jaunes qui sont enchaînés, effectivement on était sur un short track, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, effectivement 12 yellow, mais une course assez agréable avec des jolis runs, des jolies bagarres, vous avez pu le voir aussi, voilà, et qui a donné la victoire à Loris Pascucci, nouveau vainqueur sur cette série rookie. Enfin, ça c'était la semaine dernière, l'important maintenant c'est ce soir avec l'Oval de Texas, je vais y arriver. Allez, on se met dans l'ambiance tout de suite, les amis, générique. Et voilà les amis, de retour sur cet ovale de Texas, soyez les bienvenus si vous êtes déjà présents sur le live, soyez les bienvenus aussi si vous nous regardez en replay sur YouTube, voilà, bienvenue à tous ceux, je vois déjà qui se sont connectés, qui nous ont fait un petit coucou à Terinator, Waza, etc. Merci à vous, et puis bien entendu pour vous faire vivre cet événement, bah, vous en avez pris un petit peu l'habitude, maintenant on va accueillir notre ami Nosto Colno, salut Nosto. Bonsoir Hervé, bonsoir le chat, et ouais, heureux de se retrouver sur Kansas pour clore toute cette semaine qui se sera passée sur ce circuit, et en espérant une belle course comme la semaine dernière. Ouais, ouais, les places étaient chères à House Hotel aux alentours de Kansas cette semaine. Hein. Ouais. Ouais, la semaine complète, 4 courses dans les 4 divisions, c'est rare, c'est à souligner, mais c'est bien de voir les rookies sur les mêmes circuits que les divisions supérieures, ça fait plaisir. Ouais, alors c'est vrai qu'il fait bien de le souligner, moi je l'avais dit tout à l'heure un petit peu en introduction, c'est rare que la rookie emprunte un petit peu, on va dire, en même temps les mêmes tracés que les séries supérieures, même si de temps en temps il y a quelques écarts entre les trois séries, hein, mais alors là c'était carton plein cette semaine à Kansas, et puis en plus pas un ovale dégueulasse, hein, Nosto. Oui, c'est ça, et puis qu'importe la catégorie, il se roule toujours différemment, et avec l'arca il est vraiment sympa. Et je pense qu'on va pouvoir avoir une course avec des green flags un peu plus longs que le début de saison, et au vu du plateau qu'on a cette saison, sûrement une belle course.
Eh bien écoute, c'est ce qu'on peut se dire. Effectivement, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on s'attend plutôt à une course agréable, peut-être pas trop semée d'embûches, c'est-à-dire semée de yellow. C'est vrai qu'on a quand même un ovale qui est assez propice à des longs runs, donc bah écoute, ce sera la surprise. On a vu que bah, les rookies s'en étaient bien sortis aussi sur les premières courses, même si on l'a vu la semaine dernière sur les short tracks. Donc on peut espérer quand même avoir des belles bagarres, des belles courses. Alors je pense pas qu'on se jouera un peu trop à l'économie ce soir par rapport aux autres séries, hein, Nosto. Non, non, c'est ça. En plus, les pneus restent illimités. Donc, on change à chaque pit. Il y aura difficilement différentes stratégies qui se mettront en place. On verra peut-être en fin de course avec des experts comme John Hagan où on ne croit pas à ces stratégies, mais qu'en fait, ils remontent tout le field ou autre. Mais non, non, normalement, on ne devrait pas, même avec des longs runs ouverts, ça devrait pas trop jouer à l'économie. Bon, eh ben écoute, on verra ça. En tout cas, ce qu'on va faire tout de suite, avant peut-être de planter le décor, de refaire un petit peu le point sur les classements, etc., accueillir quelques pilotes, comme vous en avez pris un petit peu l'habitude. Allez, on va en amener un tout de suite. Allez, je pense qu'il va être un petit peu surpris, mais c'est pas grave, ça va lui faire coucou, hein. On va faire comme ça. Voilà, je pense qu'il a dû se dire, qu'est-ce qui se passe? On m'arrache un petit peu de Eh ce oui, côté-là. Et bonjour. bonsoir Stéphane, on accueille Stéphane, Bonsoir. voilà, Philander Pirelli. Merci à toi de prendre quelques instants, même si je t'ai arraché Bah, du truc, hein, grosso c'est pas modo, grave, hein. hein. C'est pas grave, tout va bien. Voilà, et eh ben écoute, l'idée c'était un petit peu de faire discuter un petit peu avec toi sur cette saison. Et je Oui. dirais, première question de mon côté, avant de Oui. passer un petit peu la balle à Nosto, semaine dernière, allez, un short track et puis à souligner quand même un zero ink de ta part. C'est vrai, c'est fabuleux, j'y croyais pas, mais je l'ai fait. Donc c'est bon, j'ai réussi à passer à travers les voitures. C'est le principal. C'est clair Bon. que c'est assez surprenant, donc pour le souligner, hein, effectivement, voilà, raconte-nous un petit peu cette course de semaine dernière. Bah, c'était une course assez compacte, qui était aussi compliquée parce qu'il y avait pas mal de techniques à avoir. Et puis bon, les yellows, bah, ça arrive, hein, ça fait partie de la course et du championnat. Mais du moment où on freine, voilà, le plus important c'est de freiner pour passer à travers les voitures. Voilà. Donc si vous voulez, maintenant je suis habitué à bien faire attention à ça. Donc il y a une progression par rapport à l'an dernier là-dessus. Donc je suis content. Bon, Voilà. très bien, très bien. Ah, moi j'allais te poser une question, c'était Oui. sur la saison dernière, tu étais chez la NNRT, Oui. et pourquoi cette saison un passage chez la SBG Rookie Steam, pardon? Alors j'ai changé d'écurie parce que je voulais une écurie qui soit un peu plus concentrée vers l'ovale. D'accord? Donc D'accord. une écurie qui soit dédiée à ça. Entre passionnés d'ovale, où je puisse m'entraîner avec des joueurs ovales. Voilà. D'accord, ça va. Ok. Ah bah avec la SBG, je pense que t'as trouvé le bon profil d'équipe. Oui. Après, chez la NRT, c'était une très bonne expérience, j'en suis très content. Mais voilà, j'ai voulu évoluer en termes de, bah, en termes d'équipe qui soit vraiment dédiée à ça, à l'ovale. Ouais, ok. Pour progresser, c'est vrai que c'est bien. C'est ça. Ah, effectivement, tu le soulignais. Alors, du coup, ça veut dire, Stéphane, des ambitions un petit peu remises à la hausse pour cette nouvelle saison fall, peut-être, hein, avec. Là, je dirais, c'est vrai que au niveau championnat, bah, tu es plutôt dans le haut du classement pour l'instant. Hein, là-dessus, est-ce que voilà, on lorgne un petit peu sur l'Ignite plus précisément cette année? Oui, affirmatif, c'est bien ça. Ouais. Je vise au-dessus, et puis voilà, ça va venir progressivement. Ouais, bah, avant, j'ai un objectif d'être top 25, top 20. Maintenant, je suis plus dans le top 15, top 10 en placement, donc c'est bon. J'ai D'accord. vraiment envie de évoluer en type de championnat aussi, en ligue supérieure. Ouais, rejoindre une des trois ligues, on va les appeler les trois ligues majeures de l'IFRN. T'es déjà en 11e place pour l'instant en championnat. C'est quoi ta stratégie sur les courses en général? T'es plutôt quelqu'un qui roule safe en début de course ou tu te places bien et tu joues à l'économie ou pas du tout? Alors, concrètement, pour moi, l'objectif, c'est d'être dans les 10-15 premiers sur la ligne d'arrivée. Pour moi, ce qui compte, c'est la ligne d'arrivée. Donc, être dans le pole position dès le départ, c'est pas mon objectif. Concrètement, je suis observateur et je vois le déroulé de la course et en fonction, j'évolue petit à petit au placement. Voilà. D'accord, très bonne stratégie, surtout en rookie series par exemple, où souvent beaucoup de crash en début de course sur des excès de confiance. Donc c'est. Je plus sois. Oula, du vieux français, Ah monsieur, ouais. monsieur, oula, oula, oula. Bon, allez, Plus soyons. dernière question pour moi, Stéphane, et puis on te laissera un petit peu continuer à rouler. Un petit peu tes impressions sur cet ovale de Kansas ce soir.
Bah écoute, c'est une course que j'ai déjà expérimentée via diverses séries, donc je connais bien le circuit. Donc en Arkham Menard, c'est vrai que ça glisse un peu plus au niveau de la conduite, donc faut que je fasse attention. Et bon, c'est une piste que je connais bien, que j'ai déjà fait en IR18, que j'ai déjà fait en Next-Gen, etc. Donc ça va le faire, ça va le faire ce soir. Voilà, ce sera de l'observation et après on va évoluer au fil de la course. Ouais, plutôt trajectoire route ce soir. Plutôt trajectoire haute, oui. Bon, Ouais, allez, ok, ça marche. Parfait. Ben écoute, on te remercie Stéphane d'être passé nous faire un petit coucou. avec Je te plaisir. laisse retourner dans ton vocal et puis ben on te souhaite une bonne course. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Hop, et ben écoute, voilà pour ce premier pilote. Voilà, je parlais de trajectoire haute. Voilà, je pense qu'on va voir pas souvent ça ce soir, non? Ah, c'est possible. Pour avoir roulé un peu, pour l'avoir testé, je pense que ça va être comme dans les autres séries. Les deux, voire les trois lignes se roulent. La trajectoire haute, elle est bien, mais elle est dangereuse, hein. C'est un coup à Ah, se retrouver facilement le dans le mur, mur. oui. Oui, c'est ça. Le mur devient souvent un aimant en sortie de virage. Donc en T2, T4, il arrive très très vite et on y reste facilement collé et en perdant beaucoup de temps. Et autant dans certaines catégories, la voiture tient bien, autant en truck et en arca, elle prend tout de suite beaucoup de dégâts. Effectivement, effectivement. Allez, on va tout de suite accueillir notre deuxième invité pour ce soir qui nous a fait la gentillesse aussi de prendre un petit peu un moment pour répondre un petit peu à nos questions, nos interrogations. C'est Monsieur Alexandre Dansé. Salut Alexandre. Bonsoir à tous. Voilà, je t'arrache un petit peu vite fait hein, du cockpit. Tout simplement. Bon, Alexandre, ce soir, comment se présente Texas pour toi? Bah, je le prends avec un peu moins de qualité que les deux autres. Je m'étais un peu moins D'accord. entraîné. Ouais. Donc, on y va mollo et puis on verra dans la course ce que ça donne. Et puis on verra. Ok. Ok. Je te vois déjà septième au championnat. C'est une question qu'on pose à tous ceux qui font leur premier passage ici, mais c'est quoi ton objectif justement pour le championnat? La division supérieure aussi? Oui, c'est ça. C'est ça. Je rejoins mes potes de la BBCRT en Ligue 3. Du coup, ça serait l'objectif de la saison, de rejoindre mes potes. Du coup. D'accord. Dès le premier split rookie ou tu te laisses un peu de temps et c'est pas grave si c'est au split suivant. Ça va dépendre. C'est pas moi qui vais choisir, mais Oui, bien sûr. ça va dépendre. Il faudrait bien y passer à la fin de la saison 1. Après, si c'est la fin de la saison 2, je le prends avec plaisir, quoi qu'il arrive. Ok. Ok. Du coup, effectivement, on parle un petit peu du classement. Moi, je reviens un petit peu plus effectivement sur la course de ce soir. Donc, ce sera plutôt propice pour toi, trajectoire basse, trajectoire haute. Basse. Ah, voilà. Donc, ouais, on Ah, a plusieurs écoles, ah ouais, hein. c'est bien. Deux interrogés, deux trajectoires différentes, c'est bien ça. Voilà. Alors, j'ai pas prévu toi, parce que nous aura peut-être eu, on aura peut-être eu du middle, hein, après tout, hein, dans le principe. Ok, donc plutôt trajectoire basse. Pas d'inquiétude sur, je dirais, la tenue avec les pneumatiques sur cette trajectoire basse. Non, j'arrive plutôt à bien les conserver. Ce que j'ai vu au niveau des chronos et puis au niveau des pourcentages des gommes. Après, voilà, les mecs, quand je les regarde rouler, comme Mathieu, qui est super rapide, ça va être compliqué encore une nouvelle fois de le toucher. Ouais, c'est vrai que parfois on a l'impression de rouler avec des extraterrestres, hein, du Après, moment. quand je Mais bon, roule sait-on hier, jamais, hein, il suffit d'une fois, voilà, puis ça permet aussi de progresser, je pense, voilà, avec des pilotes comme ça, on essaye de s'accrocher, on progresse aussi, ça peut être tout l'intérêt. c'est l'objectif de l'entraînement. Hein. Quand tu vois Mathieu qui roule en 31-0, je suis en 31-5, je me dis que si lui y arrive, forcément, avec de l'entraînement, on peut le rejoindre, on peut le titiller un peu. Bon, eh ben écoute, c'est tout ce qu'on va te souhaiter, de le titiller, voire même de le dépasser, peut-être ce soir, on le verra bien. En tout cas, merci à toi Alexandre d'avoir pris un petit moment avant ce début de course, puis on va te souhaiter une bonne course pour ce soir. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, allez, Merci je à te toi renvoie aussi, sur bon le salon, courage. merci. Yes, merci.
Allez, voilà pour Alexandre. Bon, bah voilà, intéressant. Deux trajectoires différentes annoncées. Voilà, c'est pas fait exprès, hein, les amis, je vous avouerai. Ouais. C'était vraiment. C'est bien fait. C'est bien fait, hein, mais effectivement, on a les deux choses les deux trajectoires qui nous sont proposées par ces, on va dire, deux pilotes, hein, de ce soir, effectivement. Bon, ah bah allez, on va tout de suite planter un petit peu plus le décor, les amis, puisque avant de présenter peut-être un petit peu plus la course, on va refaire le point sur l'évolution un petit peu au niveau des classements. On va commencer tout de suite, mon cher Nosto, avec le classement pilote, je vais y arriver. Voilà, avec un Mathieu Deloche qui a repris le commandement du championnat, vous voyez, avec 74 points, suivi de Jonas Gann. Alors, vous avez des petits plus et des petits moins, hein, pour vous dire, voilà, c'est des pilotes qui ont gagné ou perdu des places suite à la dernière course. Loïc Trocmé, on a vu qu'il est très en forme pour ce début de championnat avec 67 points. Loris Pascucci qui a gagné la semaine dernière et qui s'est bien remonté effectivement le classement avec 66 points. Et un Alexandre Nancy qu'on vient de, interviewé avec 60 points. Bon, déjà un top 5, pas dégueulasse. Et puis, on a encore les Corentin Pietès à 60 points. Bon, il n'y a que deux courses, hein, Nosto, mais c'est déjà un petit peu bagarreur. Ouais, et puis on a quand même quelques têtes qui commencent à se dégager du tas, mais le classement pour l'instant, après deux courses, il est très très serré. Il y a eu beaucoup de changements de position entre les deux courses. Ouais, alors sachant que, et je m'en excuse, les amis, je pense que j'ai une petite boulette sur le classement parce que tu disais qu'Alexandre était 7e, donc j'ai pas dû faire ma mise à jour et j'en reparlerai parce qu'effectivement il y a des pénalités qui sont tombées, des sanctions. Et notamment, je crois qu'Alexandre était concerné, mais on vous le passera un petit peu après. Il y avait deux pilotes, je crois, avec Marco Rosso. Ouais, ensuite, c'est ça, il a pris 3 points. Ouais, il a pris 3 points. Donc, vous enlevez 3 points, il a 57 points, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on le disait à la 7e position. Donc, un Thomas Burger qui est en 7e position, un Gilles Guyenen en 8e position. Là aussi, un pilote que l'on découvre et qui pointe déjà à la 8e place du classement, Nosto. Ouais, il a remonté pas mal de places la semaine dernière. Son équipe, la Turtle, ont fini tous les deux dans le top 10. Donc on verra après, mais ça les a bien aidés au classement par équipe aussi. Ouais, exactement, on verra effectivement la Turtle qui s'est bien placée dans ce championnat par équipe. 9e position pour Damien Pribelski, 10e position pour Guillaume Lenz, Augustin Delain en 11e position, Stéphane qu'on a accueilli tout à l'heure, Philander Perelli donc en 12e position, hein, Nicolas Allier en 13e position, hein, Michael Zicola qui a perdu pas mal de place malheureusement avec la deuxième course en 14e position, hein, Terence Huertas 15e position, David Massot en 16e position, Philippe Tortue en 17e position et Marco Russo pour la 18e position. On va continuer à dérouler. J'ai peut-être été un peu trop vite. Hein, dans le Il manque la 19e place. Voilà, 19e pour Romain Ratel, effectivement. Fabrice Gann, le papa, en 20e position. Notre Coralie Gauthier en 21e position. Tristan Koenig en 22e position. Arnaud Patinec en 23e position. François Besse en 24e position. Position. François Steinmetz en 25e position. 26e position pour Johan Bourgoin. 27e position pour Nicolas Grabowski. 28e position pour Sébastien Trocmé, le petit frère de Loïc. 29e position pour Didier Danse. Romain Delobry en 30e position. Mathis Thévenin de la Kraken en 30e position. Léo Bonnemain en 32e position, et ensuite vous avez des pilotes qui sont officiellement inscrits sur le championnat mais qui n'ont pas encore roulé de course sur ce championnat rookie. Et oui, je crois qu'on a le tout, sachant que on aura une petite découverte, hein, je le mettrai un petit peu à jour puisque on avait Noël Spatch, je vois qu'il est connecté sur le serveur, donc on va le découvrir ce soir. Ouais, c'est ça. Le deuxième pilote de la team NNRT. Exactement. Allez, on passe au classement des rookies. Donc Mathieu Deloche, hein, vous retrouvez à peu près la même chose, voilà, avec Loris Pascucci en deuxième position. Voilà, Thomas Burger, Gilles Guyenen, Guillaume Lenz, Augustin Delain, Nicolas Allier, Michael Zicola, Terence Huertas, David Massot pour le top 10. Fabrice Gann en 11e position, Tristan Koenig en 12e position, Johan Bourgoin en 13e, Sébastien Trocmé 14, Romain Delobry 15e, 16e, Léo Bonnemain et qui clôture, mais qui n'a pas de points, mais qui va marquer des points ce soir, c'est Noël Spatch. Alors, je pense qu'on dit Spatch aussi. Ça va, ouais, être... on va dire Spatch, comme Spatch, ouais, etc. On va faire comme ça. Donc voilà un petit peu pour les pilotes. Allez, on enchaîne avec le classement team. Je te laisse avec Nosto.
Ouais, avec la SBG Rookies Team qui est bien remontée la semaine dernière. Donc les SBG sont toujours premier et troisième, mais elles ont inversé de position avec une troisième et une cinquième place la semaine dernière pour leur équipe. Donc très très bonne opération au championnat. La 7 Junior qui est à deux doigts de prendre la première place du championnat, mais du coup se retrouve à un point de la SBG Rookie Series. Ça promet beaucoup entre ces deux équipes qui sont toutes les deux équipes qui ont quatre pilotes. Ensuite, on retrouve la deuxième team SBG, Father and Son Motorsport, donc la SBG avec le père et le fils Gann. On parlait juste avant, pendant le classement individuel, de la team Turtle Racing qui elle aussi fait une très bonne opération au classement la semaine dernière, avec deux top 10 aussi et qui remonte à la quatrième place. A l'inverse, la SBG Motorhead qui elle perd un peu de points sur le short track de la semaine dernière. Ensuite, on retrouve la Kraken Racing qui perd aussi une place. La Valkyrie qui remonte un peu, mais je crois qu'il est tout seul chez la Valkyrie, si je dis pas de bêtises. Il me C'était. semble, ouais, il me Ouais, semble, bah ça doit être Loris Loris, Pascucci, mais ouais. avec la victoire de la semaine dernière, ça l'a fait remonter un peu dans le classement. Ensuite, la BBCRT qui reste à la 8e place du classement. Pareil, je pense qu'ils sont pas au résultat qu'ils voulaient la semaine dernière. La RBS qui perd de place aussi. Ensuite, on retrouve la NNRT qui est, comme dit, début de saison, les deux premières courses, un pilote unique, mais ce soir, ils sont bien deux. Les Zinzins du Bitume en 11e position, la Wild Pleatliners en 12e position, et on finit par la Occitanie Racing qui ne doit avoir qu'un participant sur une des deux courses, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Alors tu disais aussi pour la Turtle, effectivement, chapeau bas pour eux, puisqu'effectivement on voit qu'il n'y a que deux pilotes devant les monstres hein, de la SBG ou de la 7 où il y a quatre pilotes, effectivement, donc moins d'opportunités mathématiquement de marquer des points. Donc voilà, on peut parler d'une belle performance. Bon, De la David Fazer, Massot et Gilles ouais. Guyenné, ouais. Voilà, donc la Fazer, effectivement, on a Jonagan, voilà, qui est plutôt dans les hauts des classements, effectivement, à chaque fois. Voilà, pour les teams, un petit point rapidement, licence aussi, pareil, hein, par rapport à la licence à 30 points, je vous ai mis que ceux qui étaient en dessous de 20 points. Vous les voyez, Terence Huertas, David Massot, Nicolas Hélier, Augustin Delain, Fabrice Gann et Marco Rousseau. Alors, on va dire en danger, oui et non, puisque on est à Kansas, donc c'est vrai qu'on l'a dit, on s'entend pas forcément à beaucoup de neutralisation, donc ça veut dire pas forcément beaucoup d'incidents. Donc on va dire que la licence, normalement, ne doit pas être en péril ce soir, monsieur. Ouais, on l'espère en tout cas, parce qu'on a eu une course à Charlotte qui nous ont fait quelques promesses. Ensuite, on a enchaîné par un Five Flags qui est ce qu'il est. C'est un short track, donc beaucoup de yellow et beaucoup de points de licence perdus. Mais ce soir, on espère une course ouverte, comme tu as dit, Hervé. Et peut-être que les promesses de Charlotte seront tenues. Et dans ce cas-là, ce sera bon signe pour les licences. Ouais, exactement, exactement. Allez, voilà un petit peu pour les différents éléments. Allez, simplement, rapidement, je vous parlais un petit peu des sanctions, vite fait, je vous les donne. Effectivement, deux pilotes qui ont été sanctionnés, Alexandre Lancé et Marco Rousseau, 3 points sur la course et 2 points de licence, tout simplement pour un non-respect de la procédure dans les stands. Ça veut dire que plus de 3 boxes coupées. Donc voilà, paragraphe, vous avez toutes les infos règlements, vous voyez, hein, c'est clair et net à l'IFRN. Effectivement, après quelques avertissements de début de saison, voilà, ça commence un petit peu à tomber. Donc voilà, ben eux, ben de rectifier aussi, de prendre des bonnes habitudes dans les stands, Nosto. C'est ça, à noter que s'ils ont perdu des points, ils ont le droit à un avertissement en rookie. Donc s'ils ont perdu des points, c'est parce qu'ils avaient déjà été avertis à suite de la première course et qu'ils ont refait les mêmes erreurs. Exactement. Bon, tâche qu'il ne fasse pas ses erreurs, bien sûr, ce soir. Alors, on parlait un petit peu de cette course, et bah écoutez, on va tout de suite vous présenter cette course. Donc du Kansas 140 ce soir, troisième course de ce championnat Bendix Motors IFN Rookies Series. Voilà, il fait une bonne température, tranquillou, hein, de printemps, je ne sais pas si on va dire ça. C'est un petit peu nuageux, un peu de vent, pas très très grave. Nous allons parcourir cet ovale de 94 fois, normalement, plus affinité, vous le savez, parfois c'est comme ça. Vous voyez un petit peu les données un petit peu au niveau du Kansas, avec une particularité, Nousto, on va dire, sur les inclinaisons, des inclinaisons pour réussir un peu de partout. Ouais, c'est ça, avec comme on le disait plus tôt, plusieurs trajectoires qui sont possibles, avec une trajectoire intérieure qui a tendance, selon la catégorie, à bien consommer les pneus.
qui est pas forcément plus rapide non plus, mais plus sécuritaire. Et on le verra, ça se fera vraiment en fonction du choix du pilote. C'est pas en fonction de la stratégie. Ce sera pas imposé par la course. Ouais, exactement, donc on verra. C'est pour ça effectivement voilà que beaucoup de pilotes choisissent cette trajectoire haute parce que ben, on est un petit peu plus relevé, alors on peut s'appuyer un peu plus facilement, mais comme l'a dit Nostro tout à l'heure, avec le risque malheureusement de faire ventouse sur ces four-walls, sur ces murets, surtout dans les sorties T2, T4. Allez, c'est des choses qu'on a vues assez régulièrement cette semaine dans les différentes séries, donc on va pas être à l'abri de voir ça ce soir, je pense, de toute manière. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des murs tout blancs qui demandent que à être peints, donc faut éviter de mettre sa couleur de sa voiture et tous les sponsors sur les murs. Exactement, exactement. Alors, en tout cas, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. On va essayer de vous le mettre à l'image ici. Nouveau venu ce soir que vous allez découvrir et que nous allons découvrir aussi, qui est Spatch Noël. Ah, bah, j'ai peut-être fait une erreur sur le nom, j'ai inversé. Bon, j'irai rectifier après, effectivement. Vous voyez un petit peu couleur voiture noire et rouge. Pilote qu'on va découvrir, voilà, moi que je ne connais pas, peut-être sur d'autres séries. Aussi, j'ai l'impression pas forcément un pilote très expérimenté en termes d'ovale. Allez, je me fie un petit peu à l'IR, mais ça ne veut pas dire grand-chose parfois. Ouais, non, c'est ça. Bah, comme l'a dit plus tôt Stéphane, la NNRT, c'est quand même une écurie qui vient plutôt du road. Du coup, pareil, un pilote, alors nouveau sur ovale, peut-être, mais expérimenté en piste en général. Donc, c'est souvent des pilotes qui sont intéressants à voir évoluer. Faut pas garder tous les comportements de la road, mais c'est quand même déjà une aide de bien savoir tourner le volant. Ouais, et puis généralement, nos rodeux sont pas trop dégueulasses en ovale, généralement, hein. Non, c'est ça, si on est bon à tourner le volant à gauche et à droite, on sera bon à le tourner à gauche. Voilà, exactement, exactement. Bon, allez, voilà, j'ai rectifié, j'ai mis dans l'ordre normalement le prénom et le nom, c'est quand même Oh, plus c'est beau. agréable. Il y a le C'est travail beau. fait en direct. Ah, en Ah. direct, en direct. Manque de préparation, les gars, en plus, hein, dans l'absolu. J'ai pas vu à saluer un petit peu tout le monde. J'ai vu Patrick 125 dans le chat, Clarno, Darno, etc. Aurore, etc. Bienvenue à vous. Soyez les bienvenus sur cette retransmission, sur cette course. Alors, sachant que normalement, mon cher Nosto, officiellement, nous avons, je crois, 27 pilotes d'engagés ce soir. Et je Oui. suis en train de m'apercevoir qu'il y a 28 dans le field. Alors, C'est ça, je suis en train de regarder j'ai mis un aussi petit doute, moi, qui. sur monsieur. Allez, on va le mettre comme ceci. Monsieur Eddy Eddy Berthoua, Bertoia? Ouais, voilà, je crois que je l'ai pas vu non plus dans la liste. Je ne l'ai pas vu dans la liste, puisque vous voyez, je n'ai pas d'infos d'écurie, etc. Là-dessus. Donc, je pense que pour Eddy, eh ben, ce sera un petit peu course bonus, si j'ose dire. Puisque, alors attention, attention, ça veut dire qu'il sera forcément, s'il n'était pas inscrit, disqualifié au terme de cette course. Peut même être expulsé pendant la course, Et il peut même c'est être expulsé, prévenu. oui. On a vu effectivement que au niveau des admins, ils viendraient peut-être faire un petit tour et peut-être qu'il y aurait des disqualifications s'il y avait effectivement des pilotes retardataires à l'inscription qui viendraient rouler ce soir. Effectivement. Bon, voilà, il me Non, semble que je c'est le lui, vois hein. plus connecté. Ouais, je le vois plus connecté à la session. Il D'accord. avait, mais il avait déjà roulé. Il avait roulé en Fin fin. d'année dernière, ça c'est sûr. Enfin, de saison Ouais, en fin de spring. dernier split. Ouais, il avait fait une course pour la NNRT. Ah, mais il était peut-être même pas inscrit au championnat. Alors, parce que j'ai pas vu son nom au Eh championnat non ben plus. moi non plus, c'est pour ça que je dis voilà, je pense qu'il a zappé le truc, aussi bien peut-être l'inscription championnat et en même temps l'inscription course, alors que vous voyez, ça s'amuse un petit peu sur la piste à faire quelques petites figures de style. Alors, puisqu'on parlait un petit peu de cette piste, ben écoutez, je vais vous mettre un petit peu la tendance à l'heure actuelle, je dirais de la hiérarchie, vous le voyez avec un Mathieu Deloche qui pour l'instant en 31.003 a fait le meilleur temps des practices, alors qu'il reste, allez, grosso modo, allez, 9, allez, 5, 6, 7 minutes, je crois, à peu près à la louche. Voilà, encore un petit peu de moins. Un Romain Rattel aussi très en forme en deuxième position. Un Michael Zicola qui a l'air voilà, d'être un petit peu plus à l'aise ici sur cet ovale de Kansas que la semaine dernière. Arnaud Patinec en quatrième position. Un Damien Pribebski en cinquième position. Ce qu'on va même essayer de se faire, eh bien écoutez les amis, on va essayer de s'embarquer avec un de nos pilotes. Allez, avec qui on va pouvoir embarquer. Eh bien, allez, on va essayer d'embarquer avec Stéphane.
essayer de découvrir un petit peu cet ovale. Peut-être que je te laisse un petit peu commenter nos stops. Oui, bah on va se balader autour de ce superbe circuit de Kansas avec là, bon, le T1, T2. Alors, premier truc, on voit tout de suite, ça glisse, c'est l'Arca. Mais un peu plus, par contre, pour avoir roulé un peu cette semaine dessus, elle se récupère vraiment très bien. C'est bon, voilà, et ça c'était le deuxième truc qu'on disait, la ligne extérieure elle est bien, mais attention à pas faire l'aimant sur le mur extérieur. Mais oui, comme je disais, contrairement à Charlotte où elle a tendance vraiment à glisser au freinage pendant le virage, à l'accélération, ici elle a plutôt tendance à glisser milieu fin de virage, un peu comme presque comme la Cup, je dirais, même si la Cup c'est même encore plus tard. Et elle a tendance à bien se remettre droite après, et je pense qu'on va voir pas mal de pilotes la mettre en glisse sur des short runs. On le run sûrement moins, mais ça va être impressionnant à voir, je pense, sur quelques short runs où pas mal de pilotes seront en travers avec les limites de la voiture. Ouais, alors là on le voit avec Mathieu Deloche aussi, une des particularités de Kansas, vous l'avez vu sur le trioval, on a la possibilité de plonger à terre et de passer en dessous de la ligne, c'est autorisé. Puisque la ligne est blanche, hein, c'est interdit lorsque la ligne est de couleur jaune, hein, pour petit rappel, effectivement. Alors on va le voir aussi en sortie de T4, on a une particularité, alors vous voyez la piste s'éclaircit, et du coup en bas on ne voit plus trop cette ligne blanche. Ça veut dire attention aux pilotes qui sont en ligne basse, de ne pas mordre, parce que là aussi on pourrait avoir quelques spins peut-être liés à ça. Ça, surtout quand en fin de virage, même tant qu'on n'arrive pas dans cette ligne droite de départ, sur la partie trioval plutôt, l'éperon il est très sec par rapport au virage, donc faut attention à ne pas y toucher. Exactement, exactement. Alors, est-ce qu'on aura l'occasion, voilà, on n'a pas parlé un petit peu de l'entrée des pits aussi, qui est un petit peu particulière, hein, ici. Alors elle est presque, on va dire, en aveugle, justement, avec cette couleur d'asphalte là, qui ressort. Attention à ces freinages. Alors je vais essayer de trouver peut-être si on a un pilote. Allez, on est avec Arnaud. Voilà. On est sorti de T4. Je vais essayer d'en trouver un autre. Voilà. Donc, allez, on va pas sortir du T2. Et en fait, généralement, les amis, vous allez voir le repère là-bas où vous avez des banderoles publicitaires. Vous avez la dernière qui est en bleu. Allez, on va dire que c'est à peu près là, légèrement un petit peu avant le point de freinage d'entrée. Mais voilà, il faut pas tarder à rentrer et à bien couper. Et attention au speed limit. Ouais, ce serait intéressant. Alors, je pense pas forcément pour tous les pilotes, mais de voir un pit ouvert. Bon, ça va être, comme on a dit tout à l'heure, ça va être compliqué que ça se joue quand même à ce point-là au niveau de la stratégie. Mais comme c'est un pit très compliqué, on va tout de suite voir qui s'est entraîné ou pas à pit, parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, un pit compliqué à l'aveugle avec un point de freinage à bien tenir et avec les pneus usés, il peut être assez infernal à prendre avec l'arc. Exactement, exactement. Du coup, mon cher Nosto, d'une manière un petit peu globale, à quoi il faut s'attendre ce soir en termes de course? Peu de neutralisation pour toi? Allez, il y a un espoir de pits ouverts. Je l'espère, j'espère. Pour ces rookies, pour progresser, j'espère qu'ils auront un pits ouvert. Au vu de ce qu'on a vu sur la première course, je pense qu'on a un field cette année qui peut nous faire des pits ouverts. Et généralement, ce genre de field qui nous permet de faire des longs runs, d'avoir une belle course et des pits ouverts, c'est le genre de course qui fait progresser tous les pilotes au sein de cette série et qui du coup peut envoyer en truck un peu plus tard tout un field qui a progressé et qui arrive déjà en capacité de savoir gérer des courses dans les trois séries majeures de l'IFRN. Effectivement, allez, je salue Ed Layen, si je prononce bien, sur le chat, et il dit oui, c'est moi, j'ai voulu me connecter en spot, mais ça marche pas. C'est Eddie Bertoya. Il faut mettre spot, normalement, mon cher Eddie. Ouais, ben, là, il s'est connecté en tant que pilote. Et tu t'es connecté en tant que pilote, mais c'est pas grave, de coup. On a l'explication, on a bien les 27 pilotes, du coup. Exactement, et du coup, alors, j'ai pas fait attention, Eddie, alors donc il était en spot sur qui? Bah, je pense que c'est soit Noël Spach, soit. Je sais plus le deuxième pilote de la NRT, j'en parlais tout à l'heure.
Huertas, Terence Huertas peut-être? Oui, c'est ça, c'est C'est Terence Terence Huertas. Huertas, allez, d'accord. Okay. Alors, ce que je vous propose tout de suite, les amis, on est à quoi? Allez, 3 minutes, vous voyez, du démarrage un petit peu de cette séance de qualification. On va tout de suite lancer le sondage habituel du nombre de yellow. Nosto, pour toi, ce soir? Allez, je vais être optimiste et je vais dire 4. J'ai vraiment confiance en eux. Allez, tu vas dire 4, effectivement. Écoute, j'étais assez tenté par le 4, moi aussi. Allez, je vais essayer de différencier. Je vais mettre un de plus et je vais mettre 5 de mon côté. On va vous proposer un petit peu la même chose, vous qui êtes dans le chat, avec 3 options. Bah, écoutez, on va faire moins de 5. Hein. 4 avait dit Nosto. Moi, j'ai dit 5. Et puis, la dernière option, ce sera plus de 5. On va vous lancer tout de suite le sondage. Voilà, normalement il va pas tarder, je pense, à arriver, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il est parti ou pas? Oui, c'est bon, oui, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Bon, allez, n'hésitez pas, vous avez 10 minutes pour voter. Et puis on rendra un petit peu la tendance, je dirais, de vos votes pour ce soir. Allez, encore 2 minutes. Allez, on va parcourir un petit peu. Alors j'ai vu, alors c'était François Steinmetz, voilà, avec une livrée assez fun, hein. J'ai pas fait attention, je sais pas si on peut l'avoir un petit peu plus de plus près, voilà. Ça fait ouais, sort bien, répète. Ça repart bien là, cette histoire de Damien, ouais. Damien, je vais y arriver. De Damien, effectivement, c'est très 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 sympa. On peut d'ailleurs féliciter ben, tous ces pilotes qui font appel, je dirais, à leurs peintres, effectivement, qui nous proposent aussi des belles livrées, hein, des belles réalisations. C'est toujours agréable, effectivement, pour les retransmissions, qu'une voiture toute blanche. Hein, voilà, attention à François, pas se louper dans les stands, hein, tout à l'heure. Hein, on a vu ça parfois cette semaine, mais voilà. Mais beau boulot de ces peintres, donc on peut leur rendre aussi hommage à mon cher Nosto. Oui, il y a toujours des. Là, on voit les deux livrées, je crois que c'est NNRT, qui ont des livrées un peu similaires, mais avec des couleurs différentes. Moi, j'adore cette idée de livrer par équipe avec les mêmes dessins, mais couleurs différentes. Ouais. Mais ouais, c'est toutes les saisons, je trouve, c'est toujours régulier, beaucoup, beaucoup d'efforts mis sur les livrées. Exactement. Alors après, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, hein, Nosto. Hein. Effectivement, toi, tu aimes bien effectivement les mêmes livrées sur une écurie, des couleurs différentes. D'autres qui te diront que bah, c'est pas très esprit NASCAR, ces écuries, des couleurs différentes. Voilà, je pense que ça, c'est souvent quand on a des équipes de road qui viennent aussi dans le NASCAR, qui ont toutes ces couleurs à peu près similaires, qui font quelques petites variantes, je crois. Ouais, c'est ça. Là, c'est encore une fois le cas, mais c'est très souvent, c'est plus souvent le cas en rookie que dans les autres séries, parce que c'est justement, c'est des pilotes qui, par exemple, ne font pas de donut quand ils win une course comme la semaine dernière. Petit rappel de la semaine dernière, mon cher Nosto, c'est bien, c'est bien. Ces donuts me marquent toujours. Ce manque de donuts me marque toujours. Qu'est-ce qu'on est gourmand, nous, ici, à IFRN. C'est pour ça. Bon, allez, on va terminer avec cette séance de qualification. Regardez, il reste plus qu'une seconde. Voilà, ça va se ranger de partout un petit peu. Et on va partir justement pour cette séance de qualification. Allez, attendre que les pilotes se mettent en place, que la session tourne bien. Effectivement, allez, on va repartir, bien entendu, en gros plan. Et c'est parti pour 2 tours. Allez, on va voir qui sort en premier. On va lui donner la primeur pour le premier sorti. Alors, qui va sortir? Suspense. Allez, eh ben écoute, c'est monsieur Alexandre Nance. Donc, eh ben écoute, on va lui faire l'honneur de la sortie et on va vivre cette qualification avec lui. On rappelle, 1 tour lancé, 2 tours chrono pour aller chercher cette pole position ici sur l'ovale de Kansas. Un petit favori pour toi pour la qualification? J'ai pas trop regardé au niveau des chronos, mais écoute, allez, moi je vais dire Michael Zicola. Tiens, je vais mettre un petit billet là-dessus ce soir. Ouais, bah j'ai vu que c'est vrai qu'il avait bien performé pendant les practices. Après, bon, Mathieu Deloche, il semblait vraiment très très fort. Donc, allez, sans, pour pas parier sur l'ultra favori, je vais dire un Damien Pribilski peut-être. Allez. Ah, bah écoute, je le sens bien. On va voir. En tout cas, on est avec Alexandre qui est dans son premier tour. Vous voyez en bas, ça s'affiche en rose. Ça veut dire qu'on fait le meilleur chrono du secteur. En vert, on améliore. Et en jaune, on n'améliore pas. Alors, Alexandre devrait prendre tout de suite la pole provisoire. Hein. Ouh, bah, pas forcément. Hein, pas forcément. C'est parti un petit peu en travers
pour Alexandre, ça va être un petit peu compliqué. Il s'arrête Il même, va il arrêter tout de s'arrête, suite il son s'arrête tour pour même. pas griller son deuxième. Exactement, exactement. Allez, que on est avec Fabrice Gagne, qui est en troisième position. Terence Huertas aussi qui a fait un bon chrono sur son premier tour. Est-ce qu'il va améliorer pour le deuxième tour? Avec Loris Pascucci qui prend la pole provisoire. Ah oui, avec un 31-6, donc vous voyez, on est encore loin des chronos de practice, donc il y a encore un peu de marge pour les pilotes, logiquement. Ah là, ça y est, les deuxièmes tours tombent. On a un 31-4 pour Allez, Michael Zicola, Zicola. eh oui, ça va Voilà. Ouais, ça. tomber un peu de tous les côtés. Allez, je viens sur Mathieu. Allez, Romain Rattel aussi qui a amélioré, mais ça suffira pas. Allez, Mathieu Deloche. Ouh, qui nous signe un 9e temps. Surprenant. Est-ce que ça s'est pas bien passé pour Mathieu? Peut-être pas entraîné à faire des super temps sur Eh deux oui, tours. Et Damien effectivement. Pribilski qui prend Eh la pole là 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 provisoire. là. Nos deux pronostics aux Ouh! deux premières places. Ah, ça Ah, a changé. Mince, je me suis fait vieille. Je me suis fait le... vieille, moi. Hein? Allez, Loïc Rocmé qui vient nous faire mentir, effectivement. Mais en tout cas, ton pronostic pour l'instant est très, très, très bon, puisqu'effectivement, Damien Priveski a cette pole provisoire. Alors, est-ce qu'on a encore du monde qui s'était lancé? Oui, allez, on va embarquer avec François Steinmetz, qui est dans son premier tour chrono. Allez, je trouve cette voiture très agressive avec ce drapeau à damier. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'aimerais pas l'avoir dans mes rétros, hein. Ouais, ça fait beaucoup de Ça me couleurs à digérer à la fois. Ouais, c'est. perturberait. Allez. On va voir ce Il y que a ça donne. Sébastien Trocmé aussi qui se lance pour son premier tour, ainsi que Ouais. Philippe Tortue. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour François? Ah, alors j'ai l'impression que le SDK est un peu pété, me semble-t-il, en bas. Non, ça va revenir. François, c'est 13e, qui a fait le 13e, 13e allez. temps Tu parlais de provisoire. Sébastien, on va aller le voir. Allez, on salue dans le chat Jérémy, Van Grisven, Kisskipper, voilà, Stéphane Blancard, Monroe, je salue Nosto, bien sûr, sur le chat. Allez, pour Sébastien, ça va donner quoi? Je m'excuse, on est un petit peu pété en bas au niveau du chrono. J'ai l'impression qu'il a dû toucher le tour précédent, puisqu'il n'a Ouais. pas de temps pour l'instant. Avec Alors. Philippe Tortue qui se glisse 10e aussi. Alors, je suis un peu perdu. J'ai l'impression qu'on a perdu l'interface SDK. Ah, Sébastien Trocmé qui prend la 20e place sur la grille. Bon, alors, c'est pété. Il reste. Est-ce qu'il reste beaucoup de temps à la session? Non, c'est. Ça, on se tourne vers la fin de la session et on a Stéphane Philarder qui n'a aucun temps, Augustin Dieulin, Corentin Peters, c'est Eddy, non, et pas Eddy Bertoia, vu qu'il spot plutôt. Mais on a trois pilotes qui n'ont pas fait de temps et du coup qui ont choisi délibérément de partir à l'arrière de la grille. Allez, ben écoute, je te remercie d'avoir fait le commentaire puisque j'ai pu réparer l'interface. Du coup, c'est une bonne nouvelle. De SDK qui nous avait lâché parfois. Ce SDK est un petit peu joueur, joueur bien entendu. Allez, donc on va récapituler effectivement cette grille de départ. Alors on va attendre que ça se mette un petit peu en place et en grille. Alors, hop, ça y est, c'est parti pour la grille. Donc on va faire comme ceci, les amis, grille, voilà. Et on va pouvoir vous récapituler cette grille. Donc sur la première ligne, en pole position, Monsieur Damien Pribilski, auteur d'une très belle prestation de l'SBG Motorrad Racing. À côté de lui, la 7 junior avec Loïc Trocmé sur cette première ligne. Troisième position pour Arnaud Patinec de la Kraken. Michael Zicola de la 7 junior Racing. Voilà, la 7 là, qui a frappé fort hein, en deuxième ligne. Troisième ligne pour Romain Rattel et Jonah
Gann. Quatrième ligne pour Fabrice Gann, le papa, qui a fait une belle qualification aussi, avec Nicolas Allier en quatrième position. Loris Pascucci en cinquième ligne avec Philippe Tortue. Sixième ligne pour Tristan Koenig et Johan Bourgoin. Allez, on va défiler cette liste. Je te laisse continuer, mon cher Nosto. Avec Mathieu Deloche en 13e place, c'est peut-être plus bas que ce qu'on l'attendait. François Stemets en 14e, Olivier Canard en 15e place, Patrick Lepers pour la LZP en 16e, Terence Huertas et Alexandre Nance en 17e et 18e position, Thomas Burger et Sébastien Trancmé en 19e et 20e place, Gilles Guyonnet à côté de Noël Spach pour la 21e et 22e position, ainsi que Coralie Gauthier et Romain Delobry en 23e et 24e place. Et pour les trois dernières places sur la grille pour les pilotes qui n'ont pas réalisé de temps, il reste Corentin Peters en 25e, Augustin Dieulin en 26e et Stéphane Fellarder en 27e. Voilà, et on oublie bien sûr Eddy Bertoia, le spotter, normalement, mais qui n'est pas là pour cette course. Allez, voilà les pilotes qui s'élancent de ces stands pour le tour de formation, le traditionnel tour de formation. On va se ranger comme à l'école, les amis, deux par deux. La maîtresse veille à l'intérieur du Pescard. Je ne sais pas qui est à l'intérieur du Pescard, d'ailleurs, ce soir. On verra peut-être Monsieur Lucas Jeanbrun. Tiens, on va lui faire la blague. Oh non, pas la Pescard sur le toit. Oh non, non, pas possible. Ce serait sympathique. Allez, ça se range, attention d'aller serrer un petit peu plus, messieurs là-bas derrière, on a pris un petit peu de marge. Allez, c'est Damien qui va imprimer ce start. Allez, c'est parti. Et direct, un très très bon départ de Damien Pribilski. Loïc, qui n'est pas resté bloqué sur la grille, mais qui perd peut-être cette deuxième place pour on a du 4 de franc quasiment derrière. L'attention, voilà, ça c'est un petit peu rangé, tant mieux. Ah ouais, ça, piste très propice aux 3-4 de franc. Si on doit en voir pendant la saison en Rookie Series. Ah, c'est à part déjà. La voiture jaune, c'est. Ah, le jaune est déclenché. Le jaune est déclenché. Ben écoutez, voilà, on n'aura pas fait notre petit tour, les amis. Allez, on va aller voir où c'est que c'est parti. C'est parti là-bas derrière, me semble-t-il. Alors, j'essaie de reconnaître les pilotes. On va essayer de marcher comme ceci. Voilà, c'est parti peu dans tous les sens. Ça a tapé vraiment fort le mur, là. Ça a tapé fort. Effectivement, on va essayer de revoir ça. C'était Terence Huertas qui tape le mur assez fort. On va aller de l'intérieur ici, Noël Spach. C'est beaucoup plus loin, ouais. Enfin, on se rapproche. Ouais, je pense que c'est la deuxième NRT. Terence Huertas qui a tapé très très fort le mur. Eh ben, écoute, j'ai cru reconnaître sa livrée. On va aller voir ça, si c'est bien lui. Ouais, c'est ça, ouais, ça a tapé contre lui. Ouais, ah non, c'est pas lui. Non, lui, il est vite bien, au contraire. Il a fait un beau save, au contraire, effectivement. Ah ouais. Tout de suite mis en sécurité. Allez, on va essayer d'embarquer sur les pilotes qui vont bien, alors qu'on fasse pas de bêtises. Du coup, il y a Mathieu Deloche. Oh, Mathieu Deloche. Ouh là, ça va être dur pour le championnat, ça. C'est Mathieu Deloche, la jaune, la 121 qui vient devant. Elle aussi, elle va taper assez fort, mais je pense pas le mur. Ouais, on a Olivier. Hop, j'essaie de tomber sur le bon. Fabrice Gann aussi, il est pris dedans. Ouais, il est pris dedans, donc on va regarder ça aussi ici. On va rembobiner un petit peu. C'est parti de là-bas derrière, effectivement. Est-ce qu'on peut prendre un petit... Peut-être, allez, on va prendre un petit peu l'hélicoptère, ce sera mieux. Voilà, hop, ça redescend. Ah, c'est ça, ça a glissé en sortie de virage. Ouais. Ouf, il y a de ces sèves, là. Ouh là là, ouais, ça passe à gauche ou à droite. Finalement, Mathieu, qui aura peut-être pas tant de dégâts que ça, parce qu'il a, ça l'a, il a tapé, évidemment, de côté, mais après, il a bien tourné sans se faire taper par aucun autre pilote. Ça a bien été évité par le reste du field. Ouais, on va essayer de voir ça. Les seuls trois pilotes impliqués sont ceux, celui qui créait l'incident et les deux qui ne peuvent rien faire. C'est plutôt bien joué de la plupart de l'arrière du peloton. Mais tu n'as pas pu faire grand chose, là tranquille. Ah, il est bien en bas en plus. J'avais essayé, mais hop. Ouais, mais... Regardez, ça passe à gauche, à droite, à gauche, à droite.
Ouh, s'est récupéré. S'est récupéré en tout cas. Allez, voilà les amis pour cette première neutralisation. Bah écoutez, ça n'a pas tardé en tout cas. Hein. Ça n'a pas tardé du tout, du tout. Alors, est-ce qu'on a pité Oui, on a pité pour oui, quelques Mathieu pilotes qui ont pité. De Loche, ouais. Johan Bourgoin aussi. Je pense que c'est à peu près tout. Ouais, il me semble aussi. Pourtant, il y a un... Bah, c'est peut-être Johan Bourgoin alors qu'il tape très très fort le mur à côté de Fabrice Gann. Ouais, je pense. Ouais, parce que évidemment, ce pilote-là a forcément du pit. Ah, et les pilotes sur place déjà en double file, ça repart plutôt vite. Oui, ça c'est agréable, la Kansas. Et oui, il n'y a pas de la paix, donc du coup, on doit sûrement gagner un petit tour. Tout simplement, ici. Alors que je peux vous communiquer, les amis, le résultat de notre sondage, puisque ce qu'il emporte, c'est plus de 5, avec 63% des votants qui pensent qu'on aura plus de 5 neutralisations, mon cher Nosto, 25% à moins de 5 et 13% à 5. Donc la tendance est plutôt à plus de 5, hein, alors que ça va repartir. Ouais. On nous demande sur le chat où est Nicolas Allier, il en est pour l'instant à la 7ème place. Et Damien qui repart bien une nouvelle fois. À l'extérieur, ce coup-ci, c'est un peu mieux parti. Ouais, c'est mieux avec parti, Arnaud Patinec, qui a un peu plus d'expérience peut-être, qui s'est moins fait avoir. Et encore, on le voit, hein, l'extérieur qui marche moyennement bien en restart. Ouais, je pense qu'il faut que ça chauffe un peu aussi au niveau des pneumatiques. Ouais, après quelques tours, elle devrait être beaucoup plus utilisée, cette ligne extérieure, mais pour l'instant, je comprends qu'elle le soit peu. On mange bien les prônes. Et on retrouve Loïc Trocmé encore une fois à l'avant du peloton. Loïc Trocmé qui est souvent là dans les bons coups, dans les bonnes courses. Pour l'instant, il fait partie des quatre toujours devant sur les deux premières courses. C'est ça. Il est constant il est parti pour une grosse saison. Hein, s'il continue sur ce rythme, effectivement. Hein, c'est ce que j'allais dire avec Jonagan et Mathieu Deloche qui nous ont beaucoup impressionnés par leur niveau hein, sur les deux premières courses, avec un Loris Pascucci très opportuniste sur la deuxième, mais Loïc Trocmé qui n'est pas oublié, qui est toujours là, et ces quatre premiers du championnat peuvent nous offrir une belle lutte pour le titre si tout le monde reste très haut placé dans chaque course. Ouais, et puis ben, moi je dirais, n'oublions pas aussi monsieur Romain Aradel qui nous avait fait aussi une grosse prestation sur la première course. À mon avis, il va falloir compter avec lui aussi. Hein. Un gros client. Oui, c'est ça. Et puis Romain Rattel et Arnaud Patinec aussi, qui avait été malheureusement pris dans certains incidents, mais qui avait une gestion des pneus qui était vraiment très très bonne sur la première course, malgré la mauvaise stratégie. Et je pense qu'avec un IR comme le sien, qui est quasiment à Arnaud Patinec, il est quasiment à 3000, c'est du costaud. Effectivement, salut Zébro, effectivement, oui, bah écoute, on parlait de Romain, effectivement, il faut s'en méfier. Salut Fabien aussi sur le chat. Allez la SBG, bon ouais, bah, c'est pas difficile, c'est déjà un tiers du plateau. Mon cher Fabien. Allez, en tout cas, ça a l'air d'avoir pris le rythme, effectivement, on le voit, on est plutôt sur la tendance trajectoire haute, hein, oui, globalement sur les pilotes, simplement peut-être à l'intérieur quand on veut essayer de dépasser, mais voilà, l'ensemble du fil est plutôt sur la trajectoire haute pour l'instant, et c'est Jonah qui s'est emparé de cette première place. Ouais, donc je pense que ça va être intéressant de suivre Romain Rattel qui est, alors je sais pas s'il est bloqué ou si c'est par choix, mais qui reste à l'intérieur. Et au vu des différentes trajectoires, il devrait avoir une usure vraiment différente des autres pilotes. Donc on va voir à quel point attention alors que ça a failli partir. Et oui, parce on a typiquement le problème de ceux qui sont à l'intérieur. Généralement, bah, pour pas trop perdre de vitesse, on réaccélère. Ça veut dire qu'on se retrouve propulsé très rapidement sur la ligne extérieure, alors que ça touche pour Romain. Et du coup, le pilote derrière n'a d'autre choix que de croiser ou pour éviter, peut-être d'essayer de redoubler tout de suite. Alors qu'on a vu que Romain a fait connaissance avec la sortie du T4.
Voilà, c'est ça. Après, c'est pas dramatique de toucher. Là, il a tapé quand même. C'était la voiture l'a senti, mais ça devrait le faire. Sur des longs runs, c'est pas rare de taper plusieurs fois. C'est pas dramatique. Faut juste faire attention à pas trop abîmer la voiture et surtout ne pas aller taper assez fort pour désaxer la roue. Et ce qui arrive assez. Oh là, alors que ça continue de taper devant, ce qui arrive assez facilement sur l'arca. La roue avant est. On va pas dire mal protégé, mais l'avant a tendance à plier facilement et du coup l'axe de la roue avec. Ouais, et notre vainqueur de la semaine dernière, Loriste, voilà, qui est en bataille ici pour cette quatrième position, voilà, qui est aussi au rendez-vous ce soir dans le rythme. Avec Michael Zicola derrière aussi, qui était pas mal au niveau des chronos en practice. Voilà, Michael qui a à cœur peut-être de se racheter de la semaine dernière où ça a été un peu compliqué pour lui, hein. C'est ça, il a pas eu de chance, il a vraiment pas eu de chance en début de course, avec un incident où il y peut pas grand chose, qui l'a mis tout de suite très très loin à pas mal de tours. Et il a continué malgré tout à rouler dans un bon rythme la semaine dernière, mais ce coup-ci, il veut être dans le coup pour jouer les bonnes places à l'avant du field. Ouais, alors en tout cas, ce soir, les rookies, si j'ose dire, sont un petit peu en retrait hein, par rapport à la semaine dernière où ils étaient un petit peu plus présents aux avant-postes. Cette semaine, ça a l'air un peu plus compliqué. Ouais, la 4 non-rookie de la série aux 4 premières places, c'est vrai. Un circuit peut-être plus à l'expérience que les autres? Ah, ouais, Ah. peut-être. On peut dire ça, effectivement. Allez, on va embarquer avec Mathieu. Assez étonnant, Mathieu qui est en 16e position, voilà, qui va remonter son field bah, tranquillement hein, suite à l'implication qu'il a eue dans ce premier yellow. Allez, on va aller voir comment ça se traduit carrément de l'intérieur chez Mathieu. Allez, avec la tortole devant. Vous voyez, hein, ça contre-braque. Hein. Attention devant. Ouh, ça a touché, je crois, devant. Ouh là là, j'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur, mais il n'y avait personne. À l'expérience, là, Ah il a oui. su ne pas perdre trop son momentum J'ai eu peur tout en de dépassant le mal. pilote. Hey, on retrouve quand même un field assez logique là, avec un classement qui commence à se dessiner tout doucement. On voit qu'à l'avant, la trajectoire est plus ou moins full extérieur, et plus on descend dans le field, plus on a des trajectoires un peu différentes, alors que ça continue de toucher très très fort pour Romain Rattel. Ouais. Ça fait 3-4 fois déjà là. Attention aux dégâts et à la perte de rythme de la voiture. Bon. Alors, du coup, on en a pas un petit peu parlé. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément d'informations, mais je ne sais pas si de ton côté, toi, Nosso, tu l'aurais cette information. On va pouvoir faire combien de tours avec cet arca normalement? Alors, je pense qu'on peut aller jusqu'à la moitié, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'on doit pas être loin des 60 tours. Hein. Il me semble que c'est ça, c'est entre 55 et 60 tours de mémoire. Alors je l'ai testé un peu, je suis pas allé jusqu'au bout du plein cette semaine. Ouais, normalement, ouais, on fait de toute façon la moitié de la course. Les courses rookies sont prévues comme ça. Oula, alors que c'est chaud pour la deuxième place. Ouais, Carnot qui vient de se défaire de Damien Pribelski. Alors effectivement, un rookie, une des particularités, effectivement, on sait qu'il n'y aura forcément pas de course à la consommation, comme d'ailleurs on l'a vécu hier sur la Cup, qui était assez haletante, un suspense à la fin. Voilà, hein, les pneus sont illimités. Allez, un seul pit suffit, donc on travaille vraiment sur la performance dans ces rookies, l'apprentissage des règles, plus que la stratégie au départ. C'est ça. Après, avec un run comme on a là, d'une quinzaine de tours, on peut espérer que ça se prolonge jusqu'à la mi-course et qu'on voit une salve de pits ouverts. Et ça, ce serait très intéressant. Ah oui, ce serait une première, je crois, de la saison, hein, puisqu'à présent, on n'a pas fait de pit sous green, effectivement. Donc ce serait une première. Donc effectivement, espérons que les pilotes ont travaillé ça, parce que sinon on va avoir des surprises, je pense, hein.
Ouais, alors on avait vu un ou deux pits sous green à Charlotte parce que certains pilotes ne s'étaient pas arrêtés au premier yellow qui avait eu lieu à une quinzaine, vingtaine de tours. Et du coup, certains avaient dû s'arrêter en décalé du field. Mais ouais, on avait vu, je pense, trois arrêts sous green, mais pas une vraie salve où tout le peloton s'arrête et où on verrait tout de suite la différence entre ceux qui se sont entraînés à pit ou non. Exactement, exactement. Allez, Arnaud qui a l'air d'être sur un gros run, hein, qui me semble, il revient sur Jonah, me semble-t-il, en termes de chrono. Ouais, c'est vachement plus rapide sur le dernier tour, quasiment 3 dixièmes. Bah ouais, on le disait plus tôt, mais à Arnaud Patinec sur la gestion des pneus à Charlotte, il était impressionnant. À voir si ça va se concrétiser ce soir, sans incident ce coup-ci. Alors que ça a pité pour Patrick Lepers. Parce Ah, que c'est. bitonnant. Ouais, ça doit pas être un choix stratégique, ça doit être par défaut. Ouais, je pense, je Je crois. pense. Allez, on revient là parce que ça va se bagarrer. Effectivement. Allez, Arnaud qui plonge ici à Ah l'intérieur. ouais, c'est pas sa trajectoire. Ah, et Et Jonah dans le mur, Jonah dans le il est collé mur. au mur là. Ouais, Ah il oui, va bah, il même va perdre perdre la l'eau. deuxième Il va place. perdre la deuxième Ouais. place, il va falloir relancer. Avec un Michael Zicola qui se retrouve deuxième. Et oui, on l'a pas vu, Mickaël qui voilà, a remonté tout doucettement les places. Ouais, bel début de course pour Mickaël, en tout cas. Mon ancien compère des commentaires. Ouais, qui passe alors qui commande toujours la série supérieure en truck series, On est mais ensemble aussi sur l'Ignact, effectivement. c'est ça. Et il a décidé cette année de passer le cap de la cabine de commentateur au pilote. Voilà, il est descendu directement sur l'asphalte. Ben écoutez, pour l'instant, ben c'est pas dégueulasse du tout, hein, au niveau de ses prestations. Voilà, on l'a dit la semaine dernière, un petit peu compliqué pour lui, impliqué dans des crashs malheureusement. Mais là, ce soir, il a l'air d'être en forme et puis surtout d'avoir le rythme, puisqu'il revient aussi sur Arnaud. Hein. Allez, Mickaël qui tente ici l'intérieur sur Arnaud Patinec. Est-ce que ça va passer? Allez, toujours pas, peut-être à la faveur de la sortie du T2. Non, Arnaud à la trajectoire haute, donc la trajectoire préférentielle. Ah, c'est la bagarre et Mickaël qui se remet derrière. Relâché. Arnaud qui souffle un peu moins de pression. L'attaque de Mickaël n'a pas porté. Alors que ça rentre pour Augustin Delain. Aussi pareil. Oh là, ça a frotté. Est-ce qu'on a un mi-bol, une obligation? On va regarder est-ce que c'est juste les pneus ou est-ce qu'il y a réparation uniquement. Ouais, on change les pneus. Allez, on reverra ça. Hop, on va revenir devant. Est-ce que Mickaël continue à se rapprocher? Allez, en termes de chrono, ça se neutralise un petit peu pour l'instant entre ces deux pilotes. Ça s'est un peu stabilisé là maintenant. Arnaud a repris du poil de la bête, on va dire. Alors que du coup, derrière, Jonah est menacé maintenant pour cette troisième place par Loïc Trocmé. Remarra-t-elle. Ouh, ça a touché, me semble, pour Mickaël. Non, pour Arnaud Patinec, et oui. Hop, allez, on va repasser ça. Arnaud qui a dû aller toucher le mur. Ici, voilà, ça a frotté. Vous voyez, du coup, Mickaël en a tout de suite profité à l'intérieur. Et oui, petite erreur de Arnaud, malheureusement. Allez, on revient en live. Ah, il y a de la bagarre à tous les étages. Même un petit peu derrière ici entre Damien Priveski, Olivier Canard et Tristan Koenig.
ça touche, attention pour Tristan, c'est bon, pas d'erreur. Alors qu'Olivier Canard est passé et se retrouve en sixième position. Allez, du coup, bah ouais, Michael a pris une petite longueur d'avance, forcément. Allez, ça s'arrête aussi pour Damien Przybylski. Est-ce que c'est étonnant les pits qu'on a actuellement. Alors, on a Stéphane Ferder aussi, on a Fabrice Gann dans les stands, on a du monde dans les stands. On n'est même pas à la mi-course, c'est étonnant. Est-ce qu'ils ont décidé de couper en deux, de faire deux arrêts au lieu d'un seul? Ouais, effectivement, Olivier, il a l'air de bien remonter actuellement. Un poil plus rapide que les trois compères devant, donc effectivement qu'ils sont en bagarre, donc peut-être qu'ils perdent un petit peu de temps, donc Olivier est en train d'en profiter. Ça rentre aussi pour Sébastien Trocmé. Voilà, ça s'éternise hein, pour Fabrice Gann et Philarder, donc ça fait plus d'une minute, ça va être compliqué derrière. Allez, Mickaël qui est confortablement installé sur le lead ici. À ses trousses, Arnaud Patinec. Et ensuite, on a une petite bataille ici pour la troisième place avec Jonah Gann, qui semble avoir repris un petit peu du poil de la bête suite à sa petite touchette de tout à l'heure. Allez, on a Romain qui ici tente l'intérieur sur Loïc. C'est passé en tout cas. Est-ce que ça suffira? Il va peut-être sortir avec une sortie plus rapide de virage. Non, c'est bon. Allez, il plonge aussi à l'intérieur, on coupe la ligne blanche, vous voyez. Attention en remontant, attention. C'est chaud. Ah, Romain. Et Loïc qui refait l'intérieur. Ah, ça bagarre en tout cas. Est-ce que ça va décroiser à nouveau pour Romain? Et Olivier derrière qui arrive pleine bille. Qui, ça se trouve, va les saluer et va passer directement. Bonjour, c'est moi. Allez, toujours Sébastien au pit, Fabrice Gann au pit, Stéphane Philarder aussi. Allez, je reviens ici sur la bagarre. C'est l'endroit chaud sur le haut du classement. Alors qu'on n'a plus que quasiment 19-20 pilotes dans le tour. En tout cas, on a un beau run sous vert. Attention, Romain qui frotte. Ah là là, il va perdre des places, effectivement. Eh ben oui, forcément. Ah, Romain, décidément, ce mur, il l'aura vu souvent. Il l'aura vu souvent ce soir. On a déjà la troisième ou quatrième fois. Et là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En tout cas, ça fait le bonheur de Loïc et d'Olivier. Qui ont un adversaire de moins à gérer. Allez, avec Monsieur Chamallow. Alors, Olivier, pour l'instant, oui, qui est légèrement en retrait sur les chronos. Allez, salut Eric sur le chat, bienvenue à toi. Allez, Olivier qui a un peu de mal maintenant, un peu plus compliqué. Allez, on a toujours Mickaël qui est devant et largement devant. Largement devant, effectivement, pour Mickaël. Qui a quasiment 2 secondes d'avance sur Arnaud. Hein, il enfonce le clou là, Mickaël. Ah, Arnaud doit peut-être payer un petit peu son attaque du départ au niveau des pneus. Effectivement. Ah, et puis alors ça grimpe à une vitesse considérable l'écart maintenant. Alors, je sais pas ce qui se passe pour Arnaud. Je pense que là au niveau des pneus ça devient compliqué pour Arnaud. Je pense qu'il va peut-être même se faire rattraper par le trio derrière à cette allure. Voilà le retour. Voilà. Et puisque ça roule fort en tout cas derrière,
Alors que Mickaël, lui, a un matelas d'avance. Je ne sais même pas ce qui. Ouais, un matelas. C'est même plus un matelas. C'est le matelas, l'oreiller, le lit, la tête de lit, tout, hein. J'ai vu quelques murs repeints en rouge de la livrée Oui, de Romain. Romain De Rintel, Romain, ouais, que. effectivement. Et qui a dégringolé, du coup. Alors, par contre, certains pilotes auraient pit à un tiers de la course Oui. pour faire une course divisée en trois parties. Eh ben écoute, c'est ce que je me suis posé comme interrogation. On a pité, voilà, aux alentours du tour 35, je crois, pour certains. Ça veut dire qu'il reste 60 tours, donc ça veut dire qu'on va au bout, hein, on va au bout. A priori, je pense qu'ils ont fait ça, ils vont au bout. Mais ça me paraît un petit peu audacieux sur la gestion des pneus, hein. Ouais, bah c'est même c'était vraiment tour 30 qu'ils ont pit, donc ça part même pour un deuxième arrêt plus tard alors donc je sais pas, je pense que c'est une stratégie perdante, mais à voir, à voir. Attention, Mickaël, attention, que ça frotte pas trop. Alors, Mickaël, en tout cas, qui est impressionnant, hein. Ouh là là, l'avance qu'il a mis. En termes de pneus, je sais pas ce qui se passe au Arnaud. Alors, Mickaël, c'est pas possible, il y a des pneus qui s'usent pas. On peut noter aussi d'autres. Alors, tu le notais juste avant, la remontée d'Olivier Canard, mais Alexandre Nancé aussi, c'est vrai. Et Corentin Peters, toujours bien placé aussi juste derrière, avec Romain Rattel qui lui continue de descendre tout doucement. Il reste dans le rythme, mais les petites touchettes au mur lui font perdre quelques places à chaque fois. Ouais, Alexandre, effectivement, qui a gagné même 12 places, hein, depuis le début de cette course. Voilà, il nous l'a dit, hein, comment il abordait sa petite course. Ben, pour l'instant, ça se passe pas trop mal pour Alexandre. Il est à la porte du top 5, sous la menace un petit peu de Romain, qui a repris un petit peu du poil de la bête. Mais voilà, qui si on pite sous verre, Romain, ça va être compliqué de réparer la carrosserie, hein. Oh oui, c'est pas quelque chose qu'on répare sous verre. Même certains ont pas tendance à la réparer même sous jaune pour garder la track position. Bon, en tout cas, on se dirige tout doucettement, quasiment vers la mi-course et vers la fenêtre de ravitaillement. Ça, on arrive Allez, encore encore deux trois tours, je ouais, pense. 4-5 tours et ça devrait pas tarder. Alors, ça commence pour Ah non, Loris. ça commence. Ouais, c'est ça. Ah, est-ce qu'il va lancer la salve des ravitaillements, Loris? C'est possible. Ah là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh Ah, le là là jaune, là là, le jaune terrible terrible. pour ah ouais, terrible pour Loris par contre. Allez, allez, Parce on que va. du coup, vu que Damien il a pité beaucoup plus tôt, il va pouvoir avoir le Lucky Dog. Allez, Loris Pascucci va se retrouver, je pense, à l'arrière avec un Waverand. Allez, on va aller voir ce qui s'est passé. C'est parti ici apparemment sur Gilles. Donc Est-ce qu'on a petit raté. touché? Boum! Ah Oui, non. on a touché, ça arrivait derrière, Ah pour ouais. ça a poussé, effectivement. Accident classique d'Arca. Et ouais, avec Nico Allier qui est venu pousser. Ça va, il Gilles. tape pas très fort. Ouais, ça va, il y a moindre mal. Allez, on va vite revenir là parce que je pense que, bien entendu, les amis, ça va piter. Ah là, Forcément, tout le monde va l'entièreté du rentrer. field va pit, ouais. Et du coup, comme tu le disais, par contre, maintenant ça va au bout. Donc ça veut dire que peut-être qu'on n'aura pas de pit sous verre, mais peut-être qu'on pourrait avoir une course de gestion des pneus très très intéressante parce que ça Exactement. ferait très très long sur les pneus là. Oui, alors c'est vrai que à ce petit jeu-là, ben écoute, Michael s'est montré extrêmement bon. Voilà, est-ce que Jonah va pouvoir faire quelques réparations, hein? Jonah qui était un petit peu remonté, mais voilà, suite au fait d'avoir brossé le mur, il avait un petit peu dégringolé. Est-ce qu'il va pouvoir se remettre dans le rythme? Ça va être un petit peu l'interrogation. Allez, on s'approche, voilà, de l'entrée des pits. On va zioter ça, les amis. On va voir s'il y aura du changement à ces pits. Ou pas. Allez, ça rentre pour Mickaël, effectivement. Ça rentre pour Arnaud, bien entendu. Tout le monde va rentrer, je pense. Alors, on va voir si ceux qui se sont déjà arrêtés au 30e tour vont piter ou pas. Parce que du coup, ils vont se retrouver devant. Ouais, je pense pas parce qu'ils sont tous. Alors en dehors de Damien Pribilski qui va lui avoir le Lucky Dog, mais ils vont tous devoir prendre le Waverround, donc je pense pas qu'ils ne pi ils piteront à ce jaune. Tant pis, hein, c'est l'économie des pneus de perdu, mais il faut retourner dans le tour du leader. Exactement, allez, ça s'arrête apparemment bien pour tout le monde. Allez, on va voir qui va ressortir en premier. Allez, ça repart pour Mickaël. Ouais, c'est bon, attention à l'extérieur. Hop, on va revenir. Ah ouais, il me semble que Mickaël s'est fait doubler par Jonah.
Eh oui, Jonah qui a repris sa première position. Alors pourtant, vous le voyez en termes de chrono, Pete, il est resté plus longtemps sur son box. Donc ce qui veut dire qu'il est mieux rentré, il a mieux roulé dans la ligne que Michael a priori. Hein, parce qu'en termes de chrono, il est même plus long. Ouais. Surprenant. Ouais, ils ont même quasiment les mêmes temps, mais ouais, c'est une meilleure sortie, sûrement. Je n'ai pas vu trop de box coupées, donc normalement aucun, enfin pas de pénalité là-dessus, pas de problème, pas de place gagnée à la déloyale. Mais non, Jonah qui doit être un expert dans le domaine pour gagner deux places, parce qu'il a aussi dépassé Arnaud Patinec Ah, qui est quand même exactement, pas né de la oui. dernière pluie. Ouais, c'est clair, hein, là-dessus, hein. Ouais, Arnaud qui est même ouais, un temps encore plus court sur la totalité que Mickaël, effectivement. Mickaël qui est quasiment allez, dans le top 5, un des plus longs hein, à s'être arrêté. Donc je pense peut-être une prudence aussi pour pas dépasser la vitesse limite. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, de ne pas aller se prendre un black flag. Hein. Ça. Alors là, on voit la 40, c'est Jonah, gain. Flanagan qui vient de laisser la place à Michael. Alors peut-être que sur la ligne des pits, Michael était devant. Est-ce qu'on peut aller chercher, est-ce que je peux aller chercher l'info? Ça, c'est une bonne question. Non, est-ce que je peux avoir l'info? Dans tous les cas, Jonah a fait une bonne affaire puisqu'il a dépassé Arnaud Patinec au pit. Mais Alors, c'est peut-être pas ah le ouais, bon, ah c'est ouais, pas le bon peut-être angle. que sur... Ouais, mais Alors, on peut-être va. que sur la ligne, il est bien devant. Non. Oh, c'était même très 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 chaud là, ça a Eh failli oui. taper le plot. Eh non, effectivement, Michael était devant sur la ligne, c'est pour ça. Ah oui, ça nous a échappé. Donc les choses reviennent dans l'ordre, on va dire. C'est ça, avec des belles remontées pour l'instant, on en profite, c'est la mi-course, on voit des remontées comme Corentin Peters qui est en 5e place alors qu'il partait 25e, il faisait partie des pilotes qui n'avaient pas fait de chrono. Alexandre Nancé aussi qui a gagné 11e, 11 positions, et Romain Delobry qui est en 12e place qui partait lui 24e, Coralie Gauthier aussi qui partait 23e et qui là est 14e. 14e, ouais. Ouais, c'est des pilotes qui ont fait des belles remontées. Alors après, à voir si ça se concrétise dès le green flag ou si c'était gagné sur la longueur du run. Bah écoute, réponse dans quelques secondes en tout cas. Ouh, on a une première ligne explosive là. Hein. On remarque que la deuxième est pas mal non plus. Hein. Ouais, c'est ça. Là, toute l'avant de la course, c'est que du beau monde. Allez, salut à toi Didi 35370. Bienvenue à toi sur ce live. Nous en sommes à notre deuxième neutralisation après un gros run sous vert. On vient de passer la mi-course hein, dans le principe. Allez, on va relancer tout ça. On s'attarde un petit peu pour se remettre en place là-bas derrière. Ouais, il y Aïe, avait aïe. beaucoup de wave around, ça a dû être compliqué. C'était compliqué, oui. Et d'ailleurs, avec un Loris Pascucci qui est en 20e position, qui a dégringolé tout à l'heure. Alors, Mickaël va pas faire. Est-ce que Mickaël va laisser passer Jonah et va gérer ses pneus un peu comme tout à l'heure et en Goron ou est-ce qu'il va voilà, attaquer tout de suite alors que ça rentre à nouveau pour Johan? Alors, un élément qu'on n'a pas précisé aussi, une des particularités actuellement sur e-Racing, c'est que voilà, on a un petit bug aussi sur les restarts. Hein, effectivement, on peut se prendre des black flags et puis il y a une certaine procédure à mettre en place pour bien la purger. Sinon, on risque de se faire disqualifier. Je sais pas si tu as vu ça, non-stop. Oui, bah c'est surtout la procédure, c'est la pénalité qui est buggée en elle-même, c'est pas Ouais, le ouais. fait qu'on se la prenne, mais elle donne un drive-through, sauf que en faisant juste le drive-through, la pénalité ne se clean pas et on a toujours un black flag. Et la semaine dernière, on a un pilote qui en a fait les frais, c'était. Alors, j'ai plus en tête le nom du pilote, mais justement qui s'est fait disqualifier en essayant de purger sa pénalité trois fois. Donc il suffit de Exactement. faire un stop and go au lieu de faire un wave around. Ah, oula,
il suffit de faire un stop and go au lieu de faire un passage par les stands sans pit. Et en pensant bien à tout décocher, hein, les pneus, l'essence, etc. Ouais. Sinon, ça ne fonctionne pas. Effectivement, la direction de course avait été très très claire. J'avais passé beaucoup beaucoup de messages à l'attention des pilotes. J'espère qu'ils l'ont bien vu. L'idée, c'est déjà de pas prendre ce black flag. C'est déjà pas mal. Alors attention, parce que là, c'est Fabrice Kahn, je crois, ouais, qui prend un tour. Attention à pas gêner le field. C'est le genre, de truc qui peut créer des ennuis. Ouais. C'est ça. Oh non, le reste du field est crash. Seul Jonagan passe. Quel bizarre hasard. Ça serait bizarrement, en tant que Fabrice qui reste bien sur cette ligne intérieure. Bon, voilà. Ça, en conséquence, les pilotes sont plutôt sur une trajectoire haute. Donc, ça va. Bon, et puis, on n'a pas trop ce genre de comportement dans la ligue. On n'a pas jusqu'ici pas eu ce genre. Je pense que les administrateurs mettraient vite fin à ce genre de comportement, je pense. Oui. En plus. Ils rigolent pas, hein, parfois. Sévère, mais juste. Exactement. Allez, je vais passer ici sur Tristan Koning, voilà, qui est aux avant-postes en 5e position. Notre deuxième rookie de ce classement, puisque Michael Zicola est en rookie aussi. Voilà, Tristan qui nous fait une belle course qu'on découvre un petit peu plus aux avant-postes ce soir. C'est ça. La semaine dernière aussi, oula, derrière ça zigzague un peu. Mais ouais, le pilote suisse qui avait fait une bonne prestation la semaine dernière jusqu'à être pris dans certains incidents qui avaient fait des dégâts à sa voiture, il me semble. Mais toujours bien placé aussi à Charlotte. Qui avait été pris peut-être. Ah oui, c'était. Il avait été pris dans l'incident pour la quatrième place avec Terence Huertas à Charlotte. Exact. En toute fin de course. Exactement. En tout cas, il est dans le top 5 ce soir. Il est dans le rythme. C'est bien. Allez, on a Alexandre Danse derrière, poursuivi par Olivier Canard. On peut noter que de moins en moins de pilotes prennent les prônes dans le trio Val. Oui. Alors c'est toujours un petit peu un élément compliqué. Alors je pense que l'Arca s'y prête un peu moins aussi. En début de run ça va bien, mais plus les pneus s'usent, alors qu'ici on voit Alexandre Danser qui est coincé dans le mur. Oh là là, il perd beaucoup de place. Eh oui, forcément, perdu 3, 4, 5 places, le temps de se décoller. Donc je disais effectivement, avec des pneus usés, c'est un petit peu plus risqué le retour sur piste quand même. Hein. Ouais, exactement. Ça a tendance à glisser et on a du coup tendance à surconduire sur les prônes et à user encore plus les pneus. Donc en fin de run, généralement tout le monde suit la ligne sans la couper. Allez, on revient parce que là, ça s'est un peu resserré devant. Ah, une nouvelle fois, Jonas qui a peut-être du mal sur les longs runs, qui attaque peut-être trop en début de run. Avec les deux. Ouais. Arnaud Patinec et Michael Zicola à la bataille derrière, mais les deux qui économisaient le mieux sur l'entièreté du film. Ouais, attention Arnaud, je disais peut-être par rapport à tout à l'heure, pas faire la. Alors je vais dire la même bêtise, c'est l'impression que ça donnait, hein, où il s'était effondré en fin de run. Donc de peut-être pas trop attaquer non plus, d'hypothéquer ses chances. Ouais, il s'était fait passer par Michael suite à une touchette au mur. Aussi, peut-être repasser devant. Il veut peut-être repasser devant pour justement garder le rythme et rester devant Michael, en sachant que Jonah va s'écrouler en fin de run. Enfin, il part peut-être du principe. Allez, sa bataille ici, Olivier qui vient de passer avec Mathieu Deloche, qui est bien remonté. Ouais, bonne remontée des deux pilotes, hein. C'est pareil, les deux reviennent de loin. Sachant que pour l'instant, c'est Monsieur Corentin Peters qui nous signe la meilleure remontée avec 15 places de gagné pour l'instant. Et qui pointe en 10e position dans le top 10, en tout cas sous la menace d'Alexandre Nancé. Il dit qu'il y a 20 pilotes dans le tour sur les 27 au départ. Ouais, et avec un Loris qui est en 19e position, qui a du mal, je pense. Il semble la voiture abîmée. Ouais. L'avant-droit endommagé. Ouais. Ouais. C'est clair. Voilà la roue qui dépasse légèrement. Un petit peu mieux comme ceci au niveau de l'avant, non, pas forcément. Mais ouais, au niveau de l'avant droit, à mon avis, c'est pas clean. Ouais, on le voit ici. Ah, il faut espérer que ce soit juste l'aéro qui ait souffert et pas l'alignement de la roue. Ouais. Sinon, assez vite, très très compliqué, surtout au niveau de l'usure des pneus. Tous vos repères ont sauté aussi. Ouais.
Alors Avec que ça pite. Sébastien Trocmé qui s'arrête. S'arrête. Ou que c'était que ce pite là. Alors c'est assez Ouais, il était surprenant. déjà à plusieurs tours, il me Ouais, semble. ouais, Ouais, il ouais, était à ouais. 4 tours. Allez, on revient sur la tête de course. Jonas s'est donné un petit peu d'air alors que Arnaud vient juste de passer Michael. Allez, on va revoir ça. Arnaud, ouais. Ici, à l'intérieur. Voilà, qui a fait le taf ici à l'intérieur pour passer Michael. Ah, Michael qui n'a pas insisté, à mon avis, qui est toujours dans sa gestion de pneus comme tout à l'heure. Hop, ça dédouble à nouveau, ça revient pour Michael. Il me fait mentir. C'est pas bien, Michael. Ouh, par contre là, ouais, se replacer à l'extérieur comme ça, aussi proche d'Arnaud Patinec, c'était osé. Eh ben, il C'était un l'a coup à les fait. envoyer tous les deux dans le mur, Ah ouais. oui, il l'a fait, en tout cas. Il doit avoir un très bon spotter et avoir très confiance en sa voiture. Ah oui. Il va aller mieux là, il va aller mieux, hein. Ouais, ça a dû faire quand même une belle frayeur à Arnaud qui a perdu quelques longueurs là-dessus. Ça a permis à Loïc Trocmé de revenir. Ah, on va On va voir, hein, revoir quelques ça. centimètres. Hein. Ah, je sais pas si. Waouh! Ah Ouais, oui! eh, si, Ouais! si, on le voit bien. C'est ouf! C'était chaud, chaud, chaud! Hein. Oh, puis Mickaël qui. Ouh! Qui a un gros run là, qui est revenu quasiment directement sur Jonah! Hein. Ouais. À voir s'il commence pas à En attaquer plus premier. tôt que le run d'avant, mais Ouais, pour ouais. à chaque fois très à l'aise en run. Et Loïc Trocmé, hein, Ah, qui il est là, remonte il est encore là, une il est fois, passé! Hein. qui est toujours là toutes les semaines. Effectivement, qui C'est le passe ici pilote qui sur Arnaud. m'impressionne le plus dans ce Ah, début de c'est clair, saison. c'est Je clair. l'attendais pas à ce niveau-là. C'est Ah, on le disait très très bonne effectivement, surprise. ouais, troisième course, c'est toujours dans les bons coups, voilà, efficace depuis ce début de saison. Oui, en tout cas, ça c'est sûr. Allez, Jonah remet un peu de distance, s'est peut-être senti menacé, remet un petit peu des gaz. On se neutralise en termes de chrono sur le dernier tour. Romain Rappel qui remonte à la sixième place sur ce deuxième suite au pit là, qu'il a été plus loin. Il a peut-être fait quelques réparations. Il se bat avec Olivier Canard pour cette sixième place. Ah, il est même passé. Il est même Ouais, passé. Ouais, ça ça se fait change les yo-yo. places Ah, Olivier qui a depuis un petit peu de touché, il me temps. semble aussi. Ouais. Eh oui, eh oui. Allez, je reviens devant. Michael qui est en train d'attaquer là. Jonah. Allez, les trois pilotes derrière Jonah ont l'air plus rapides, donc que ce soit Michael, Loïc ou Arnaud. Est-ce que je n'aurais pas dans la gestion de tout à l'heure en disant bah là j'ai eu un petit peu de mal tout à l'heure avec les pneus, je vais peut-être ralentir un peu le rythme, en garder sous le pied. Ah, je pense qu'il est plutôt dans le moment où il perd déjà de la performance. Ouais. Il fait déjà une. Ah, il rattaque pourtant. Ouais. Attention à l'orgueil, Jonah, attention à l'orgueil, peut-être laisser filer un petit peu, peut-être pour préserver les pneus. Attention en remontant, non c'est bon. Ah, et puis surtout là en trajectoire intérieure. Ah, Jonah qui veut pas laisser solide en tout cas. Hein. Ouais, mais Michael qui reste bien sur sa trajectoire à l'extérieur, qui doit pas surconsommer ses pneus malgré cette bataille. Ouais, il s'affole pas en tout cas. Et en observateur juste derrière Loïc Trocmé, Arnaud Patinec, toujours là. Je crois que ça permet même à Mathieu Desloches de revenir sur ce groupe de 4 Ouais, il revient qui sur Arnaud. s'échappait. Ça va nous former un petit groupe de 5 pour une belle échappée pour la victoire. Allez, bon, on est encore un petit peu loin. Hey, il nous reste quoi là? Moins de 30 tours à faire en tout cas. Allez, bientôt 25. Allez, ça repasse pour Jonah. Il me semble que Mickaël a touché le mur. Eh oui, eh oui. Et du coup, sanction immédiate. Ah là là, Mickaël. Il va falloir se remettre dedans. Attention de ne pas retoucher à Rien. nouveau ici. Ouais, Et ça, rien Loïc de à l'affût, perdu. bien entendu. Alors, à noter dans les moins bonnes performances, on va dire, Loris Pascucci qui a beaucoup plus de mal aujourd'hui. Oui. Alors là, il tourne autour de la 19e position, contrairement à sa victoire de la semaine dernière. C'est C'est pas le yo-yo. même rythme. Ouais, c'est Ouais, c'est yo-yo. ça. C'est yo-yo.
Allez, on est embarqué avec Michael. Caméra arrière. Allez, plus que 26 tours. Ah, ça risque d'aller vite, les amis. Allez, on va dire un petit quart d'heure encore. Il y en aura la délivrance et notre vainqueur pour ce soir. Et Damien Pribilski qui avait pit aussi aux alentours du tour 30, qui bah là il repite pas, donc je pense qu'il ira au bout aussi, mais il a, ouais, il a une vingtaine de tours de plus sur les pneus. Ah oui, bah c'était pas voilà, c'est une idée très très surprenante ce pit aux alentours du tour 30-35 pour 2 ou 3 pilotes. Ouais, parce qu'en plus, même si on avait une neutralisation, mon cher Nosto, ces pilotes pourraient rentrer, mais devant, ça va rentrer aussi de toute manière. Oui, ouais, bah là, ça lui bénéficierait plus à lui qu'au reste du fil, parce que là, tout le monde piterait, je pense. On a déjà bien attaqué les pneus et il n'y aurait rien à gagner à ne pas pit. Mais ouais, il repartirait au moins avec les mêmes gommes que tout le monde. Alors qu'Arnaud, bah, il n'a rien dit à personne, il est passé devant les deux. Ouais, mais je pense que les deux perdent du rythme parce que Jonagan est en train de s'échapper à nouveau là. Ouais. Et derrière, ça revient très ouais, très fort. Ouais, ça revient pour Mathieu aussi, ouais. Ouais, Jonas, bah, effectivement. Même Romain est remonté aussi. Hein. Ouais. Et oui, effectivement, Romain en 6e position. Oula. Alors que, ouais, quand on est à l'intérieur, quand on prend pas les prompts, souvent ça perturbe la ligne extérieure dans le trioval. Je pense que ces pilotes-là, s'ils veulent jouer la victoire, faut qu'ils restent les uns derrière les autres pendant quelques tours, histoire de remonter sur Jonas. Bon, allez, messieurs, dames, on va essayer de vous faire profiter un petit peu de ces véhicules et de leur sublime bruit. Allez, c'est parti pour le cracking up. Allez, voilà les amis, ah, j'adore ça. Bon, j'aimerais pas être à la place des caméras parfois. Hein. Ouais, ça vibre un peu. Bon, allez, voilà, avant que voilà, ça va commencer à s'animer, hein, on va rentrer dans les 20 derniers tours. Et alors qu'on commence à avoir à gérer les pilotes, la paix. Qui peut être une donnée aussi importante. À l'écran. Ouais, ça. Ah, Arnaud, ouais, qui s'est trouvé un peu enfermé du coup. Sur beaucoup de circuits, la ligne extérieure, c'est la ligne simple à prendre pour les lapés, mais là c'est pas toujours le cas. Là ici, vu que tout le monde roule à l'extérieur. Ah oui, il vaut mieux être à l'intérieur, effectivement, je pense. Hein. Bon, en tout cas, pour l'instant, ta prédiction est bonne, hein, pour les yellows. Ouais, j'espère bien quand même que ça va rester jusqu'au bout. Ah, j'aimerais, oui, qu'on finisse effectivement comme ceci. Dommage, on avait presque un pit ouvert quasiment de tout le fil et ça n'avait pas fallu de grand chose. Alors, Jonas a quand même vachement mieux géré les pneus ce coup-ci. Ah, bah oui, oui. Il a d'avance sur le reste de ce groupe-là, des leaders. Exactement, il a 2 secondes d'avance. Alors à voir peut-être d'ici 3, 4, 5 tours en termes de chrono, si c'est toujours identique ou est-ce que voilà, il perdra du rythme, on va voir ça. On verra si les autres. C'est toujours lui qui tourne le plus vite en piste. Exactement, on verra si les autres ont gardé un petit peu sous le plancher. Et un Olivier Canard suite à sa touchette là, qui bataille un petit peu plus, mais non, il est toujours dans le top 10, en 9e position, mais un peu plus en galère du coup. Que
devant lui, on voyait au loin Corentin Peters se faire dépasser par Alexandre Nancé, qui lui, les deux pilotes qui remontent le plus dans cette course. On a une belle course, les amis. J'espère que vous vous régalez sur le live. On a des batailles un petit peu de partout, des gestions de pneus, des attaques, des brossages de murs, tout ce qui va bien. Tu en parlais en début de course, mais c'est vrai que peu de rookies toujours dans ce top 10. 3 rookies ouais. Seulement dans le top 10. Exactement. C'est donc bien une course à l'expérience. Et c'est vrai que les green flags, ça aide aussi à étirer ce field et avoir la bonne gestion des pilotes, qui est souvent liée à l'expérience. Exactement. Allez, n'hésitez pas, un petit M&M's pour finir la course. Un petit jaune, un petit rouge, un petit bleu, ce que vous voulez. Allez, Mickaël qui va essayer de défendre cette deuxième place, qui va voilà, tout doucement être sous la menace de Loïc. Je pense que Loïc va encore attendre, hein. Il va faire traîner un petit peu, il va rester là. Et Jonah, non voilà, ça bouge pas au niveau de Jonah. On a toujours un peu les meilleurs chronos pour Jonah pour l'instant. Ah, Jonah qui chôme pas en tout cas. Hein. Ouais, à voir que c'est Mathieu Deloche maintenant qui tourne le plus vite en piste, voire même juste derrière lui Alexandre Nancé qui est ouais. Pour l'instant en 33-2 et c'était le plus rapide sur le tour dernier. Et Mathieu qui vient de se défaire d'Arnaud Patinec. Mathieu, le leader actuel du championnat, effectivement. Hein, donc, s'il veut pas perdre ce lead, il va falloir remonter. Mais ça va être compliqué parce que pour Mathieu, il faut finir devant Jonah. Ouais, je pense pas qu'à la régulière, il aille chercher. Ça va être compliqué. Il cherchait Jonah. Là, il a pris trop. Il a encore plusieurs pilotes à dépasser, les lapés à gérer et trop de. Et en plus de ça, Jonah a pris de l'avance sur tout le groupe. Donc, ouais, cette mauvaise qualification, partant un petit peu de plus loin, voilà, être impliqué dans ce premier yellow. Voilà, peut-être hypothéquer les chances de Mathieu de jouer la victoire ce soir. Alors, est-ce que ce ne serait pas un hasard que ce soit Fabrice Gann qui a emmené Mathieu Deloche dans le premier accident? Ouh là 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 là, tu t'engages là sur un TA, mon cher Nosto, sur lequel je te suis. Allez, la théorie du complot. On est loin de la complot, ouais. Derrière, il était bloqué dans le mur là, il était bien ventousé. Ah oui, il adore ce mur, ça lui plaît. Ouais, il l'a repeint en rouge tout le long du circuit, c'est... C'est clair. Et ça a profité à Mathieu Deloche et Arnaud Patinec presque, mais il se bat toujours pour la cinquième place. Ouais, alors que Jonah, c'est le boulevard hein, pour Jonah. On est à plus de 2 secondes et demie pour Jonah, donc allez, 12 tours. Là ah, encore oui, une oui. Fois, la pire des choses, c'est qu'il y a une neutralisation pour Jonah. Ah oui, là c'est tout en gestion. Et même s'il y avait une neutralisation, sur les short runs, ça avait l'air d'être le meilleur. Ouais. Donc, ne fait pas de soucis pour lui. Il devrait pouvoir aller chercher cette deuxième victoire cette saison. Ouais. Et du coup, une dixième victoire en carrière, si je me souviens bien. Neuvième, je crois. Attends, je ne veux pas dire de bêtises, on ira vérifier, mais je crois que ce sera la neuvième. Mais ce serait pas la neuvième en rookie, mais dixième en tout, puisqu'il en a une en truck maintenant. Ouais. Bah écoute, moi, je me semble en avoir mis 8 en tout, donc ça lui ferait une 9e. Mais il faut les vérifier. Ouais. Alors qu'on le voit ici pour Loïc, voilà, il avait un petit peu le pied, un peu plus de mal. Mickaël s'est donné un petit peu d'air. Est-ce que Romain va avoir le temps de revenir sur Loïc? C'est possible, hein, il y a 10 tours. C'est possible, Romain semble un petit peu plus rapide actuellement. Alors peut-être pas sur le dernier tour. Alors ce serait bien sa 10e victoire qu'il irait chercher ce soir. Bon, bah, écoute, et 9e en rookie. 9e en rookie. Et une victoire en début de saison en truck. Il montre qu'il a le talent même sur la division supérieure. Oui. Ah, il est souvent aux avant-postes, effectivement, même sur la division supérieure. Hein. Ah oui, 3 courses, 3 top 5, même en truck. Oui. Deuxième du championnat. Ouais, il est. Jusqu'où va-t-il aller?
Je pense qu'il va, il va tout droit en cup sans s'arrêter pour, mon avis, sans s'arrêter pour nous, mon cher Harvey. Non, je pense pas, je pense pas, je pense pas. Je lui ferai coucou et puis je le laisserai passer. Allez, en tout cas, Loïc qui s'est défait. Ouh, ça a touché pour Romain encore. Loïc qui s'est défait de Michael. Attention, bataille ici pour la deuxième place. Il reste 8 tours. Pourtant, Michael. Alors, Michael a dû faire une petite erreur parce qu'il semblait avoir gagné un petit peu de terrain. Est-ce que Michael n'aura pas été touché? Du coup, il va même se retrouver sous la menace de Romain Rattel. Cher Michael. Ah, une bataille fait... ici, là. Ouais, ça va batailler fort. Ça hein. fait plaisir de voir une bataille comme ça en fin de course. Avec, ah, oui. Suite à une course de gestion, c'est. C'est des beaux finishes. Et Loïc Trocmé, on le répète depuis le début de la course, mais bien là quand il faut et là qui prend la deuxième place. Ah ouais, ouais. Solide sur les appuis. Assez très, très, alors très surprenant effectivement pour l'ayant vu rouler l'année dernière sur la Rookie. Alors là, vraiment Loïc a franchi un palier supplémentaire, hein, ça se voit. Hein. Ah ouais, il voulait, il nous l'a dit en début en interview de début de saison qu'il voulait monter sur la division supérieure. Je pense qu'il s'est donné les moyens, qu'il doit s'entraîner ce qu'il faut et assez se préparer pour être à ce niveau-là, même sur long run et tout, surtout sur long run. À se battre à la régulière avec des pilotes justement comme Mathieu Deloche et presque Jonagan qui là est sur un autre monde pour l'instant. Ouais, et Mickaël qui est en train de descendre, de dégringoler. Alors que Loïc a touché. Eh oui. Oh là 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 là. Romain. C'est pas possible, Romain qui n'a fait que toucher les murs. Mais qui est toujours là. Et qui est toujours là. Et performant, c'est ça qui est terrible. Il est deuxième. Ouais, c'est pas possible, il a emprunté les mécanos de la Kraken. J'en sais rien, moi, il y a quelque chose. Je pense qu'il a mis, des roulements sur le côté de, la voiture. Il prend appui sur les murs. Et... Ouais, il y a Romain qui est wildcard. Hein, donc, il va peut-être faire des envieux dans les écuries, peut-être. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est toujours intéressant de voir ces pilotes wildcard au début et puis se faire recruter par des équipes comme la SBG de façon classique, mais ou même par d'autres équipes. Le mercato est toujours ouvert en IFRN. Tant qu'on est libre, on peut signer même en milieu, en cours de saison. Donc. À ne pas oublier pour les autres équipes qui chercheraient des pilotes exactement pour aller chercher ce titre par équipe. Bah écoute, en attendant le nombre de fois où il a brossé ce mur, j'aurais pas donné cher qu'il finisse deuxième, moi. Ouais, avec on le voit hein, ces murs qui sont rouges de sa peinture sur les sorties. Allez, on va essayer de redescendre un petit peu. Ça s'est figé ici, derrière. Allez. Avec Olivier Canard au pit. Ah, Olivier Canard au pit. Mais que se passe-t-il pour Olivier? Il était pourtant bien classé. Alors, est-ce qu'il lui manquait de l'essence? Est-ce qu'il faisait partie des pilotes qui ont pité au tour 30? Eh ben, je sais plus. Non, il n'avait pas pité. Alors, ce qui est marrant, c'est que Jan Jop, il a sauté au stand. Alors, est-ce qu'il serait pas parti? Alors attends, on va essayer de voir peut-être ici si j'ai une info, ouais, non, parce qu'on s'est pas loupé. Non, mais non, il vitesse, a ouais, c'est bizarre, assez bizarre. Allez. Ah, et puis la pit, il s'est mis dans les premiers box, je pense que c'était un truc extérieur à la course qu'il a forcé à pit. Allez, à Mathieu Deloche en cinquième pose. Ouh, ça touche pour Mathieu encore ici. À elle. Attention. Là. Allez, derrière, Alexandre Nancy en 6ème position. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir aller chercher? Ça va être un peu compliqué. En tout cas, on s'approche du white flag, du drapeau blanc pour Jonah, qui est confortablement installé avec quasiment presque plus de 4 secondes 5 d'avance. Oh là là. Alors là, je pense qu'il peut relâcher un petit peu la pédale. Dernier tour. Alors, est-ce que ça peut se battre derrière? Je pense que pour la troisième place, il commence à y avoir un petit trou. Ouais, je pense que les gens se sont rangés, on va dire. Par contre, il y a une bonne bataille pour la dernière place dans le top 10 entre François Stemmes et Terence Huertas. Ouais, ici. Allez, je reviens sur Jonah, notre vainqueur. Allez, Jonah qui va venir empocher ce Kansas 140, sa 10e victoire, 9e en rookie, c'est fait pour Jonah. 2e position pour Romain Rattel, 3e position pour Michael Zicola, Loïc Trocmé en 4e position, 5e position pour Mathieu Deloche.
Allez, sixième position pour Alexandre Nancé. Une septième position pour Corentin Peters, qui, oh, on n'en avait pas trop parlé, mais qui a fait sa course et qui est bien remonté. Tristan Koenig, notre deuxième rookie, en huitième position ici. Un Arnaud Partinec en neuvième position. Et pour clôturer le top 10, un Terence Huertas. Voilà pour ce top 10, les amis, avec notre vainqueur du soir, Monsieur Jonah Gann, pour sa neuvième victoire rookie et sa dixième en carrière à l'IFRN. Et autant on a pu douter tout à l'heure sur le premier run, que alors là sur le deuxième run, c'était vraiment la maîtrise, hein, Nosto. Ah oh oui, là il avait le short run, on a vu les autres pilotes le remonter, et t'avais raison, c'était plutôt de la gestion plutôt que de la perte de rythme. Et bah il l'a bien montré, hein, en fin de course, il était tout seul dans son monde. Exactement, seul au monde. Là, je pense qu'il peut nous faire une double dose de donuts parce que on manque ceux de la semaine dernière Allez, il manque encore. ceux de la semaine dernière, d'accord. Tiens. Ah, mais c'est que t'es vachement gourmand, toi, hein, dites Ah, donc. ah bah même Alors, en qui c'est. cup hier, on n'en a pas vu non Oh, plus puisque ça s'était joué à l'économie. on a un Michael Zicola qui est heureux aussi, je pense. Ouh, bah Ah, écoutez, c'est. Alors, ou en colère. je sais pas, je sais pas. On va quand même regarder ça. Non, allez, allez. Restons dans les polémiques, les amis, hein, bien entendu. Je vais rembobiner un petit peu. Non, non, je pense pas, hein, bien entendu. Non, Voilà. il avait l'air d'avoir fait des donuts et puis peut-être un petit raté sur le donut suivant. Ouais, c'est ça. Ah non, non, c'est salut, bonjour, bisous, bisous. Voilà, c'était plus ça, on va dire. Et voilà pour notre vainqueur, Jonah. Allez, on va essayer d'aller récupérer Jonah d'ici quelques instants. Alors, où c'est qu'il est déjà? C'est la SBG, bien entendu, hein, je suppose. Je suppose. Bon, et eh ben écoute, mon cher Nosto, quelle belle course on a vécue ce soir. Et ça, deux très beaux longs runs, un yellow qui nous a peut-être fait peur lap 1, mais derrière très 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 belle course. Et du coup, on a eu trois yellow, c'est ça? Bah oui, au final, bah écoute, j'ai même un doute, deux ou trois. En tout cas, moins de cinq ou moins de Ouais, c'est quatre. ça, Voilà, non, oui, c'est trois, 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 je crois, mais non, j'ai même un doute. Non, peut-être trois, 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 je revérifierai. ouais, trois yellow, je pense. Mais en tout cas, belle course, des beaux longs runs. Et ce qu'on espérait suite au début de saison à Charlotte, c'était ces longs runs. Et bah, on les a. Et ça, c'est bien pour tous les pilotes, que ça fait une très belle course, intense, mais tout en gestion. Ne pas juste se focus sur doubler le pilote devant nous, comme ça a pu être l'an passé dans certains splits rookies où bah, tellement il y avait de yellow qu'il fallait attaquer, attaquer, attaquer. C'est beaucoup moins le cas là, et souvent ça vous fait beaucoup plus progresser et vous pouvez arriver plus serein dans les catégories supérieures. Ouais, exactement, exactement, effectivement. Alors, tu l'as dit, on pressentait hein, que cette course de Kansas n'était pas forcément propice à des grosses négociations, mais plutôt à des gros runs et de la bataille. On n'a pas été déçus, en tout cas, ça c'est sûr. On a eu un petit peu bataille un petit peu à tous les niveaux. Ça s'est joué un petit peu aussi un petit peu à l'économie, la gestion des pneus. Hein, aussi, aussi. Alors, Jonah Allez, tarde un petit peu, voilà, il doit fêter ça normalement avec le team. On va voir si on peut quand même le récupérer. Ça Ils doivent serait faire des bien. donuts dans le channel Discord. Je ne sais pas, effectivement. Allez, c'est bon. Allez, on va le récupérer. Voilà, puis on essaiera d'avoir un autre invité aussi. Alors, Jonah, voilà, c'est parfait. Live les amis, et on est parti. Et donc on va accueillir messieurs dames le vainqueur du soir pour cette dixième victoire en carrière, neuvième victoire sur la série rookie, en l'occurrence monsieur Jonah Gann. Salut Jonah. Bonsoir. et félicitations pour cette course. Allez, on va un petit peu, tu vas un petit peu nous raconter, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques interrogations, on va dire, sur le premier stint, sur le premier run, et puis après, ça s'est un petit peu déroulé assez facilement. Oui, bah, j'ai eu les mêmes interrogations. Je me suis dit, ça y est, je bouffe mes pneus, je sais plus économiser mes pneus. Alors que justement, en truck, c'était là où j'étais le meilleur. Oui. Puis oui, je sais pas par quel miracle.
Après, je crois que j'ai compris un peu la trajectoire, parce que je le voyais qu'il prenait très très haut, et je me suis dit, je vais essayer, et au final, je crois que bah, les pneus s'économisaient super bien sur la trajectoire haute. Donc j'ai réussi, au début, je me suis dit, je vais essayer de défendre, je ne faisais que défendre, puis quand je me suis dit que j'allais un peu m'échapper, bah, j'ai réussi à m'échapper avec mes pneus un peu plus frais, vu qu'ils avaient beaucoup attaqué sur moi, et ouais, c'était une course très sympa, seulement deux yellows en plus, donc... Ah bah tu vois, on se C'est posait la question d'accord, combien. Ah, non, nous on commente, on sait même pas le nombre de yellows, on hésite ouais. entre deux et trois. Merci Jonah, tu nous as fait au moins la précision. Ça c'est sympa. Alors ouais, c'est hyper intéressant effectivement ce que tu dis. Ça veut dire qu'en fait t'étais parti au départ sur Kansas, sur plutôt trajectoire basse alors. Bah, basse, plutôt milieu. Plutôt middle. Ouais, après, ouais, j'ai vu que justement il y avait Arnaud et Michael qui m'avaient doublé et qui restaient en haut. Et ouais, au prochain restart, donc quand il y a eu le yellow tour, je sais pas combien, 50 ou un truc dans le genre. Ouais. 40, je sais plus. Ah oui, entre 45 et 50 de mémoire à peu près à la louche. Ah, c'est ça, au moment de Ouais, bah du la coup, je me première suis descente. dit, je vais essayer la trajectoire haute et franchement, bah déjà, ça me permettait de bien défendre parce que bah, je sortais souvent mieux qu'eux. Et oui, au final, j'ai pas tant que ça usé mes pneus avec la trajectoire haute et du coup, bah ouais, c'est une trajectoire qui marche bien. Eh ben écoute, Très content. on te le confirme, on l'a vu ça. Nosto. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est excellent deuxième run, très belle victoire. Hein. Il y avait vraiment pas photo entre toi et le reste du field ce soir. On espérait peut-être un peu plus à un moment, on voyait un paquet se détacher avec toi, Michael, Romain, Loïc Trocmé, Mathieu Deloche. On espérait peut-être Mathieu Deloche plus haut en début de course. Alors, il a été pris dans un incident avec ton père. Quel hasard, hein. Non, mais du coup, ce que je voulais venir à. Du coup, ça te remet en tête du championnat. Peut-être sur la suite, plutôt confiant pour garder la tête du championnat face à surtout Mathieu et Loïc aussi, qui est bien placé. Oh, je sais pas trop, hein. Il y a quand même beaucoup de short track et je vois que par rapport aux courses de Five Flags, ils sont plutôt bons. Donc, ouais, on verra bien. Confiant, je sais pas. Après, est-ce que je peux jouer la gagne? Je pense que oui. Ouais, on Mais l'a oui, bien j'avoue. vu la semaine dernière, même sur short track, Oui. tu Non, te non, plaçais bien. c'est vrai qu'avec 9 victoires, tu ne peux pas jouer la gagne. Hein, c'est pas possible. Ah, gagner du championnat, après ça c'est autre chose quand même. Ouais. Bon, la semaine Après prochaine. Vas-y, vas-y. on est en rookie, donc forcément il y a beaucoup de d'inattendus, on va dire. Ouais, semaine Ouais, prochaine. évidemment. Pas à terre des fois. Semaine prochaine, Texas, un circuit que tu aimes, que tu apprécies ou pas? Oui, un mile et demi, ce sont les circuits que j'aime bien. Après Texas, je crois qu'il est un peu compliqué, de ce que je me rappelle. Circuit qui glisse beaucoup, mais non, normalement ça devrait le faire. Oui, alors après, c'est le circuit glisse, la voiture glisse aussi beaucoup, hein. C'est un peu Oui, les c'est deux, c'est vrai un que peu les deux. Voilà, par après, ça rapport au dépend. truck, c'est vraiment pas la même chose, Ah, quoi. ça n'a rien à voir, effectivement. Hein, on l'a Ouais. vécu cette semaine. Autant les trucks, c'est la qui, on y va et ça tient, ça bouge pas. Autant l'Xfinity, bah, ça a tendance un petit peu aussi à se balader derrière. Et puis, bah, tu mixes les deux et puis tu as la cup, hein, grosso modo. J'ai un peu résumé ce qui se fait, etc. Mais l'Arca, ouais, reste toujours un petit peu une voiture un peu compliquée à gérer dans les trajectoires. Effectivement, ça glisse assez souvent, assez souvent. Parfait. Eh ben en tout cas, Jonah, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir répondre un petit peu à nos questions. Encore félicitations pour cette nouvelle victoire. Et puis bah écoute, on te retrouve dès la semaine prochaine sur l'Oval de Texas. Tu seras présent? Bien sûr. Bon, eh ben écoute, il n'y a pas de souci. Allez, je te renvoie. Alors, faut pas que je me trompe de SBG, hein. Non, tu veux laquelle? Parce que toi, tu en as plusieurs maintenant, Là, hein. un, non, je crois que c'est Allez, je te mets sur la une. Allez, voilà pour ça. Du coup, mon cher Nostor, on va accueillir un deuxième pilote. Oui. Tout de suite, tu vas voir. Hop, on va le récupérer. Voilà. La Ce surprise du sera fait, ce chef. sera un petit peu la surprise du chef, puisqu'on va accueillir Monsieur Michael Zicola, qui a fini en troisième position ce soir. Salut, Michael. Bonsoir Hervé, bonsoir Nosto, bonsoir à tous ceux qui sont sur le live. Allez, voilà. Alors, Michael, raconte-nous un petit peu cette course folle de Kansas. Oh Je n'en peux plus. Tu as transpiré. Ah ouais, non, j'ai surtout mal aux doigts, mais ouais, j'ai assez transpiré. Non, c'était en vrai, c'était super cool. La qualif, j'étais pas très bien, mais je suis une quatrième position, donc super content.
Je voyais Deloche partir devant, au final il s'est raté, je sais pas ce qu'il a eu. Donc j'étais super content. Normalement je partais outside et j'aime pas partir à l'extérieur, mais bon, c'est pas grave. Super content de ma course. J'ai réussi à avoir le rythme au premier relais, j'ai mené des tours. Franchement, agréablement surpris et ouais, c'était une chouette course. Ok, est-ce que. Alors, je m'excuse, Nosto, hein, mais. Vas-y. On avait conduit des codes avec Nosto, mais vas-y, on reste sur deux codes, Nosto. vas-y. Ouais, non, j'allais dire, ce premier run, impressionnant, on te voyait même commencer à t'échapper sur ce premier run. T'avais une technique secrète pour la gestion des pneus, justement, en début de course que personne n'avait? Alors, honnêtement. Je vais le dire, et tous ceux qui sont sur le stream vont le dire, j'avais aucune idée de comment gérer les pneus. Non, mais je déconne pas, je n'avais aucune idée. En fait, en pratique, j'ai roulé, j'ai essayé de voir comment ça se passait, extérieur, middle. Et quand j'ai vu que Pacinek avait fait erreur, que Jonagan il avait brossé le mur, j'ai essayé de rouler avec un rythme assez équilibré, sans trop gaspiller mes pneus. Du coup, je suis resté quasiment middle externe et j'ai roulé. Mais après, je pense que si j'avais brossé mur dans le premier run, je pense que j'aurais pas pu creuser un écart aussi élevé face aux autres. Donc, pas de technique secrète, rien. J'y suis allé au talent. Au talent. Enfin, talent non, mais plus au feeling, quoi. Voilà, ouais, je sentais bien, la voiture, je la sentais super bien, le tracé était super, super, super cool, il y avait du bon grip, je perdais pas trop d'usure de pneus, donc ouais, super, super moment surpris, mais fier. Je ressors fier de cette expérience. Bon, tu peux. Tu peux en tout cas, oui, effectivement, alors tu disais, hein, sur ce premier run, effectivement, à un moment donné, tu avais pris une avance qui était quand même considérable. Du coup, moi, ma question, c'est, est-ce que tu as maudit un petit peu ce yellow là? Ouais. Oui et non. Oui, parce que ça casse l'écart que j'avais, donc j'aurais pu aller bien plus loin. J'aurais peut-être continué à creuser l'écart, on sait pas s'il aurait pu ça arriver. Et non, parce que j'avais peur que au moment des arrêts sur green, je me foire complètement à l'entrée des stands. Et pourtant, j'ai travaillé là-dessus, mais bon, quand t'es en pleine course et que t'as le stress, tu fais souvent des erreurs bêtes et stupides. Donc, on va dire demi-teinte. D'accord. Nosto. Bah, écoute, moi, j'ai plus de questions. Juste bon, félicitations, Mickaël. Très, très belle course. Tu nous as impressionné. Et puis c'est un plaisir de te retrouver aux avant-postes dans ce début de saison. Voilà, c'est tout. Ouais, du coup, ça va te permettre de te reclasser un petit peu sur le championnat. C'est vrai que la course la semaine dernière, c'était pas terrible, terrible. Ah non, c'était compliqué. On va oublier celle-là. Hein. On va passer à la prochaine. Tu voulais pas qu'on en parle, c'est trop tard. On va regarder ce résultat de maintenant, de ce soir. Je suis très content. Maintenant, on va se focus sur Texas Legacy. Ça va être également quelque chose. Donc ouais, non, franchement, puis message à l'A7, merci encore à l'A7 de me faire confiance dans ce début de saison, même si les résultats dans les deux premières n'étaient pas vraiment ça, mais voilà, j'ai prouvé que j'avais ma place, que j'étais rapide et que j'ai moyen de progresser, et en plus, merci à Loïc, parce qu'on a super bien géré la course, on était bien parti en qualif, on a super bien géré jusqu'à la fin. Bon, ben voilà. Écoute, tu as bien résumé les choses, ça se voit que tu as un peu l'habitude de passer à l'antenne. Bon, en tout cas, on te remercie mon cher Mickaël. On te retrouvera dès la semaine prochaine, comme tu l'as dit, sur le Texas Legacy, un peu le même type d'ovale, alors je dirais sur la gestion aussi, peut-être diplomatique, hein, qui risque un petit peu d'être intéressante. Ben écoute, on se retrouve jeudi prochain, et puis ben, nous, on se retrouvera lundi dans la cabine, mon cher Mickaël. Bah oui, lundi. Allez, on reprend. Hein. Allez, on reprend lundi. C'est la rentrée. C'est la rentrée en tout cas. Allez, je te renvoie la 7. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup. Et encore belle course. Merci. Ciao. Allez, voilà pour notre deuxième pilote. Voilà, un petit peu mis, on va dire, en avant avec cette course qu'il nous a proposée ce soir. Mais tu vois, beaucoup de alors j'allais dire, d'inquiétude sur le fait d'aller piter sous verre, en tout cas. Oui, bah ça c'est normal. Hein, en rookie, on n'en a pas souvent. Et les premières courses, les premiers pits sous verre sont très tendus, surtout que là,
Pitsouvert ici, ça aurait vraiment pas été le plus facile comme on disait avant la course. Mais ouais, c'est normal d'avoir peur de cette erreur de pit. Mais bon, on l'aura pas eu. Mais quand même une très belle course ouverte. Ouais, c'est clair. Allez, on va justement résumer donner le résultat de cette course avec une première place donc pour Jonas Gann de la SBG Fazerain Sun Motorsport, vainqueur devant Romain Rattel, auteur d'une belle remontée. Troisième position, on l'a entendu donc pour Michael Zicola de la 7 Junior Team, avec Loïc Trocmé, lui aussi de la 7 Junior Team, alors qui va faire encore, je pense, une grosse opération. On va dire au championnat team, je pense qu'ils vont peut-être même prendre le lead à mon avis dès ce soir, mais c'est pas gagné. Pourquoi? Est-ce qu'on rappelle quelque chose d'important, les amis? Nous sommes à la troisième course, ça veut dire qu'il y aura pas mal de petits chambards sur le championnat, puisqu'on va effacer une des trois courses comme le prévoit le règlement, mais pas sur le classement équipe effectivement. Voilà, une cinquième position pour Mathieu Deloche aussi, victime d'un petit accrochage en début de course, mais il est bien bien remonté pour finir dans le top 5. Alexandre Nancé, écoute, une course, je vais pas dire discrète, mais presque, mais solide en tout cas, avec une sixième position. Ouais. Hein. Très belle remontée d'Alexandre Nancé, parce qu'il partait d'assez loin et il a pas fait de grosse remontée d'un seul coup. Sur les deux longs runs, il a gagné beaucoup de positions. Donc non, même plutôt ouais, impressionné plutôt. Par Alexandre Nancé. Exactement. Septième position pour Corentin Peters de la Kraken Racing. Ensuite, Tristan Koenig en 8e position, wildcard, notre pilote suisse. Arnaud Patinec en 9e position de la Kraken. Kraken aussi qui fait un petit tir groupé dans le top 10. 10e position pour Terence Huertas de la NRT Ipadoc. Voilà qui clôture ce top 10. Saint-François Steinmetz, dont on n'a pas trop parlé, mais qui a tiré les marrons du feu. Aussi, hein, en 11e position. Noël Spatch. Et ben notre nouveau pilote, qui s'est trompé de numéro d'ailleurs. Ah écoute, c'est la première fois, donc du coup, alors, petit avertissement là-dessus, qui finit quand même à une honorable 12e place hein, sur nos 27 pilotes, donc c'est bien. Pas loin de son coéquipier à la 10e place. Exactement. Ensuite, en 13e position, Gilles Guyenel de la Tortle, Damien Pribeski en 14e position de la SBG Motorhead, Romain Delobré en 15e position, Loris Pascucci, voilà, qui a été un petit peu plus... Et une course compliquée ce soir de la Valkyrie par rapport un petit peu à la semaine dernière. Est-ce que... Allez, on va dire la tendance. Est-ce que Loris serait pas plus à l'aise sur le short track que sur les ovales d'un maïs à maïs ennemi? Je sais pour plus l'instant, on s'interroge. Ouais, on l'a eu en interview la semaine dernière. Je sais plus exactement ce qu'il nous a dit, mais ouais, ce coup-ci, beaucoup moins performant. Il avait dit qu'il savait pas trop où se placer, ça je me souviens. Sur... Ouais. Donc comme ça, bon, voilà. On verra si, dans le tour. S'il fait mieux la semaine prochaine à Texas. En tout cas, 17e position pour Nicolas Allier de la SBG Rookie. Coralie Gauthier finit à la 18e position. Allez, Coralie, là aussi, qui a fait son petit bonhomme de chemin, comme à son habitude dans sa gestion un petit peu de la course. Philippe Tortue en 19e position de des Zinzins du Bitume, la LZB. 20e position pour Augustin Delin de la SBG Rookie. 21e position pour Olivier Canard. Alors, Olivier Canard, la petite intégration, il était devant, effectivement, avec ce pit là, quelques tours de la fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Olivier. Je ne sais pas, qu'on aura un petit peu des infos peut-être pour plus tard. Hein. Mais ouais, il était plutôt dans le top 10, Olivier. Hein. Ouais, c'est ça. Il se battait pour une place à la limite du top 5 même. Mais je sais pas, un incident hors course sûrement. Exactement, qui nous a échappé en tout cas. Donc vous verrez peut-être ça dans les highlights de monsieur Eric Pépère. Allez, 22e position pour Johan Bourgoin, 23e position pour Thomas Burger de ASBG Rookie. Un Thomas Burger un petit peu en retrait, je trouve, aussi. Vous avez montré de meilleures petites choses, hein, mais c'est un peu plus compliqué ce soir. Ouais, alors il fait partie des pilotes qui se sont retrouvés assez loin dès le début. Je sais plus si c'est pour le mauvais pit ou quoi que ce soit. Est-ce que la SBG lui conseillerait des mauvaises stratégies? Mais ouais, il fait partie de ces pilotes qui se sont retrouvés à plus de deux tours très très vite. Donc je sais pas. Encore une fois, interrogation sur ce pilote-là aussi.
Bon, ouais. Alors après, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de stratégies à la SBG, ils sont nombreux, hein, donc. Je dis ça parce que Stéphane est parti du chat, hein, voilà. Salut Stéphane, tu verras tu écouteras le replay. Allez, en tout cas, 24e position pour Patrick Lepers, donc de la LZB aussi. Fabrice Gann, impliqué très rapidement, voilà, de la SBG, Father and Son, qui termine à 6 tours. Stéphane Filarder-Péridi, qu'on a interviewé tout à l'heure, qui, bah voilà, n'a pas un bon résultat ce soir, finit à 11 tours. Voilà, impliqué aussi, hein, Sébastien Trocmé, le petit frère de Loïc de la 7, qui termine à 13 tours. Et notre spotter, je dirais fantôme, qui est là bien sûr avec Eddy Berthoa, qui a dû spotter, donc on disait Terence Huertas, et qui l'a pas trop mal spoté. Et Noël Spach, ouais, les deux de la NNRT. Donc voilà, le spot, on va dire, c'est bien passé, logiquement. Allez, voilà, les amis, pour les résultats de cette course. Que vous dire de plus? Bah écoutez, on va résumer aussi peut-être le programme de l'IFRN dès la semaine prochaine. Alors là, c'est un tout nouvel exercice qu'on va avoir dans les séries, puisque vous le voyez, hein, au niveau des trois séries supérieures, on se dirige vers un petit ovale assez mythique où la tôle est souvent froissée, hein, le Bristol s'annonce effectivement dès lundi sur la chaîne de Ducnois de Vincent, effectivement pour le Bristol 200, vous m'y retrouverez avec Mickaël au commentaire. Ensuite, l'Access, même opération pour le Bristol 225 chez notre ami Julien Jean avec Olivier Canard au commentaire, je crois. Aussi, Benoît Régnier qui sera peut-être présent. Voilà, la Cup des mercredis chez notre sponsor Benjix Motor. Vous retrouvez Benji et toute sa bande, ainsi que Lucas Jeanbrun, Philippe Bévalé, etc. Et nous, mon cher Nosto, on se retrouvera, si tu le veux bien, pour le Texas 140. Nous, on n'ira pas à Bristol, en tout cas. Non, on anticipe la semaine d'après. On est les premiers à Texas, on passe un coup sur le Legacy, et après, tout le reste des séries iront à Texas. Et toutes les autres séries iront à Texas, et je ne sais même plus ce que nous aurons d'ailleurs après Texas de mémoire, je ne me souviens plus, mais bon, on vous présentera ça, bien entendu. Donc, soyez au rendez-vous, les amis de l'IFRN, dès la semaine prochaine. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des informations à vous donner. Simplement, ben, il ne reste plus qu'à vous remercier. Vous êtes venus très nombreux sur le chat qui vous l'avez fait vivre, effectivement. N'hésitez pas, effectivement, vous avez des questions, on essaie d'y répondre, etc. Et ça fait toujours plaisir de vous voir nombreux, mon cher Nosto, sur ce chat. Ah oui, un grand plaisir d'avoir commenté cette course avec toi, Hervé. Un grand plaisir d'avoir eu tous ces spectateurs. Et puis d'avoir vu ces rookies évoluer sur cette course full green, quasiment full green. C'était très plaisant. Et oui, deux neutralisations uniquement, effectivement. Voilà, bon, j'ai le petit regret de ce pit sous vert quand même, qui me reste un petit peu entré à la boule. J'aurais bien aimé voir ça, effectivement. On aurait eu vraiment la course quasiment, je dirais, parfaite. En tout cas, merci à tous. Merci à nouveau, Nosto. N'hésitez pas, les petits follow. Je vous mets ça sur YouTube pour le replay. N'hésitez pas, les petits pouces bleus. Et puis, ben, les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine. Allez, bonne fin de semaine et à bientôt. Salut, Nosto. Salut.